Salut tout le monde! Salut! Je suis donc, pardon, oui c'est vrai, je dis salut, je me présente même pas, même si je l'ai dit et redit sur le Discord, mais je suis, comme vous pouvez le voir, avec, à rejoindre la salle d'attente avec Dacus, mon compagnon de Deep Rock Galactique, Gelden, mon compagnon de Feu TA, traduction TA2, et Halloween Dark, mon compagnon de toujours sur Dungeon of the Endless, et un peu de Rocket League aussi. Avant, mais ouais, aussi, et de Dying Light notamment. Et hop, attendez, parce que je finis de basculer. Donc voilà, je mets mon chat quand même sur le téléphone pour que ce soit plus clair. Voilà, salut Z-moi qui est donc là pour nous faire un petit coucou. Donc on va se lancer dans une petite partie en facile. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, trop facile c'est le mode normal et facile c'est le mode difficile, hein, c'est du pur troll. Est-ce qu'on reste sur la capsule? Ouais, on va rester sur la capsule de base, hein, on est tranquille ce soir, hein, on est là pour s'amuser. On a choisi nos persos, sachant que moi je vais prendre le perso de... On va s'échanger les persos avec Gelden, je vais prendre le sien, il va prendre le mien. Hop, le jeu qui me demande si... Enfin, Windows qui me demande si j'autorise l'accès d'y jouer en multi, bah oui quand même. Parce qu'il a pas tout débloqué. Alors... Je vais être honnête, j'avais absolument tout débloqué sur ce jeu quand je l'avais avant en version Tipiak. Oh, c'est pas bien. Bouh. Ah là là. Criminel. Et puis bah voilà. Et puis du coup maintenant que j'ai le jeu, voilà, j'ai pas joué autant effectivement. Tiens Gelden, je te file mon perso, tu m'as filé Ken Masoki. Ah, du plaisir. Et du coup c'est marrant parce que tu me l'as filé et si je fais 3 étages avec lui ça me le débloque, ça compte quand même comme si je venais de le... Ah ouais. Ouais. Absolument. De le récupérer, ouais, ça marche aussi. On a beaucoup pratiqué avec Eternel. Ah, se filer les persos. En fait, on a quasiment tout débloqué en s'échangeant les persos comme ça. C'est malin. Ouais. C'est malin. S'il y a besoin vous me direz, je vous présenterai le jeu un petit peu. Un décalage de 2 secondes entre... Entre eux. Entre Twitch et Discord. Oui, mais c'est normal. Bah, il y a toujours un délai quand tu es en live. Et encore, il est très court le délai, je trouve. Hein. Faut que tu mutes le live. Merde. Sinon, ah ouais, faut que tu mutes le live. Hein. Toujours. Non, mais. Regarde, il est léger, hein. Entre attention, je dézoome en vrai. Faut que je mute le live, d'accord. Ouais, ah oui, toujours. Ah ouais, sinon tu vas devenir fou. Tu vas péter un câble. Enfin, après, tu peux, hein, mais. C'est parlez toi qui vois. Parlez pas tous en même temps. Il y a qu'une personne qui parle. Salut le signe aussi. Donc on est parti en mode effectivement difficile donc sur Dungeon of the Endless. Alors parlons un peu stratégie. Oui. Rapidement. En général, Halloween, écoute, t'aimes bien faire la construction, on te laisse à la construction. C'est quelque chose que tu maîtrises tellement dans le jeu. Nous, en général, on part sur 2 industries, une science, une nourriture, pour commencer. Ah ouais. Ouais. Et tu faites comment, vous? Vas-y, hein, dis-nous ta stratégie, Gelden. Alors, le truc, c'est que... Comment le dernier qu'on a enchaîné, c'était sur l'infirmerie, donc on avait besoin de beaucoup de bouffe. Ah oui. Donc en fait on commençait systématiquement avec 2 de bouffe et puis ensuite on... D'accord, ok. Mais c'est vrai que là c'est sur le fun normal, on n'a pas besoin de faire... Autant. Ok, bon bah... On va continuer avec notre stratégie, on va voir. Dacus, ouais toi tu te souviens plus trop du jeu hein, de toute façon donc... Ouais, j'y ai joué il y a quelques temps mais bon... déjà le perso que j'ai pris je sais même pas trop ce que c'est. Et il est Mormiche. Ouais, Mormiche. Mormiche, c'est un manipulateur qui... en gros, il va pas au combat, il va pas en première ligne. Alors, non, je peux pas augmenter le son de Gelden, il est à fond. Malheureusement... Et il a des pouvoirs qui boostent les gens dans les salles où il est pas. Oh. Mais j'ai augmenté le son de Discord en général, on verra, sur OBS. Ouais, on fera le point. Rapidement, moi, Ken, c'est un gros DPS, hein, clairement. En pouvoir, moi je me mets puissance plus 50 sur moi, mais ça se divise par le nombre de héros dans la salle. Donc à la limite, soit je booste tout le monde, soit si je suis tout seul, ça se... Voilà.
ça se fait bien. Pour rappel, hein, parce que... Je suis en max en volume d'entrée hein, sur Discord. Donc, je peux faire mieux. Non, bah non. Et bien, comme j'ai mes enfants qui sont couchés, j'ai plus de gueuler. Je comprends pas du tout pourquoi. Moi, je vais baisser. Bonjour, tu comprendras, je ne pas la Wen. Peut-être, peut-être. Du coup, qui veut gérer pour le moment les ouvertures des portes? On s'en fout, de toute façon, c'est le début. Bah, c'est plutôt toi, c'est plutôt ton perso d'Amned. On est d'accord. Allez. Bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a qu'une salle. Du coup, je vous propose de basculer. Alors, en haut à gauche, là, vous avez l'industrie, la science, la nourriture et la brume. Et vous avez un petit icône avec quatre personnages, nord-est, sud-ouest, avec un point au milieu. Je vous propose de basculer l'industrie en automatique sur Halloween. Comme ça, ça lui transfère automatiquement toute l'industrie que vous recevez. Puisque c'est lui qui va construire, donc autant que ce soit Halloween qu'il est. Hein. Mes chers concitoyens, j'apprécie la confiance que vous avez en moi. Je ne partirai pas avec votre industrie. Voilà. Pour le reste, pour le moment, chacun peut garder après la science, on verra ce qu'on en fait. On peut centraliser aussi. Hein. J'ai envoyé sur toi, Damien, la science. Tu m'as envoyé la science, ouais. Bon, bah alors donnez-moi la science. Allez, vous mettez un A sur moi pour la science, vous gardez votre nourriture et on met un A industrie sur Halloween. Comme c'est toi qui va le plus bouger, c'est vrai. Il sera le plus à même de faire de la recherche. Allez, c'est parti. Allez, on ouvre la première porte. C'est parti, let's go, allons-y. Ouais. Il faut juste que je remette un. J'ai baissé mes sons de jeu, mais il faut peut-être que je les remette un peu quand même. C'est pas facile, très difficile à régler ce jeu au niveau du son. Ça, pour la bouffe, en vrai, on peut peut-être la filer sur Mormiche en premier. La bouffe, on en a tous besoin pour faire les level up. Bah oui, mais donc, du coup, Mormiche, lui, ce serait bien qu'on aille vite à la manipulation en fait. Je sais pas à quel niveau il peut manipuler. C'est vrai que. 4 Ouais. La plupart du temps. Je sais pas, au niveau suivant, je débloque une capacité, mais je sais pas laquelle. C'est un passif. Le fait de. Le fait de manipuler, c'est un passif. D'accord. Ok. Bon, bah, de toute façon, pour le moment, continuons. Ça commence plutôt bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ah, et la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'explique pas le concept du jeu, je pars du principe que vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, dans le chat, vous me le dites. Et on en parlera un peu. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Science 3, Lacrymo 1, pote mécanique. Pote mécanique, ça peut être cool. Ouais, science 3. Science 3, je pense. Bah, pour moi, je peux pas. On est à 65, je gagne plus 1 par tour. Donc vous aussi, donc vous me filez 3, 4. Ouais, d'ici quelques portes, 3 portes, je dirais, on pourra le rechercher. Ouais. On économise? On garde pour le créateur de Science 3? Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Okay. Augmenter les trucs de base, c'est toujours bien. Mmh. Ouais, c'est vrai. Eh ben, on va aller à gauche. Touk, touk, touk. Tu es si rapide avec ton perso. Qui, moi? Ouais. Ouais, il est plutôt moi, rapide. Moi, je dois me traîner mon gros fiac, là. Ouais. Eh bah reste derrière, tiens, si tu veux, pour le moment. Ça tombe bien. Ok, je vais éclairer la pièce avec ma petite torche. C'est ça. Ça évitera que t'aies des mobs qui pop dedans. Ah un marchand. Eh bah c'est de la science. Il a rien de foufou. Qui est-ce qui est au pistolet? Il doit y avoir Mormiche, je pense. Non. Ouais, Mormiche est au pistolet, je pense. Ouais, pistolet. Gâchette facile. Bon, après, c'est du gris, bon... Ouais, mais il est fort, il est à moins 3 de cooldown d'attaque. Après, Mormiche, c'est pas lui qui va se battre le plus. Non, c'est sûr. Ouais, ça c'est clair. Plutôt un personnage de soutien. La camisole, elle est sympa par contre. À part le délai 0-1, mais ouais, elle est pas mal. Je resterai quand même à effectivement débloquer la science 3 as soon as possible. Ouais. Et on verra à la fin du niveau où on en est, ce qui nous reste. Parce que la science, bon, on en gagne pas des tonnes non plus. Ah, faut se dire qu'on va pas se mettre bien à ce niveau-là. On a 3 salles qui nous servent à rien là d'éclairer. C'est vrai que pour moi c'est pas terrible. On n'a pas de construction possible dans les 3 salles. Hein, donc allez, let's go. Ah, là on peut construire. Ouais. Ouais, c'est pas éclairé. C'est pas éclairé, ouais. Après, je peux rester là en attendant que. Et en plus, on peut même pas en déséclairer une pour celle-là. Non. C'est ça. C'est l'enfer.
Ouais, c'est pas terrible. Bon, bah écoutez. Hein. On est en mode facile. Fais-nous rêver. On est en mode facile, ouais. Bah non. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. Salut à toi, Poslo. Hein? Ouais, bah let's go. Hein. Bah ça y est. Il était temps. du coup, j'ai oublié d'aller faire une recherche, mais je vais y aller viteuf. On ouvre toutes les salles ou pas? Si on peut, oui. On a tout intérêt, surtout en mode de difficulté comme cela. Cela dit, petite astuce, mais je pense que vous le savez, même s'il ne reste qu'une porte à ouvrir et qu'une recherche dure 3 portes, ça marche. Hein. Oui. Ouais. Voilà, je le rappelle. Avant, ça marchait pas, ça. Si. Avant, ça marchait pas, maintenant, ça marche. Ouais. Mais ça doit faire très longtemps. Hein. Au tout début, quand il est sorti, je crois. Ah oui, c'est possible que tu pouvais pas, ouais. Ça me parle. Mais maintenant, depuis un bon moment. Oh, plus vite. On prend. Ça nous éclaire pas encore une salle. Je crains que non. Ah bah on continue hein. Et c'est un cul-de-sac. Eh y'a pas de science, attends, je vais me mettre un petit boost. Et Ouais attendez, je me suis mis un petit boost. Je vais pas rester hein, je vais repartir. Voilà. Ouais. Ouais. Ah y'a mine trouble. Descends. Ouais. Ah pardon, excusez-moi, j'avais pas vu que... Oula, oui pardon. Je n'avais pas vu. Il y en a un qui est parti un peu tôt. Oh, fais gaffe à ta vie par contre. Ouais, t'inquiète. Je m'en vais. Je vous laisse finir. Bah, je voudrais éviter de claquer de la bouffe parce que déjà qu'on en gagne pas des tonnes. Ouais. Si on pouvait level up. Bah là, je dirais qu'il faudrait au moins qu'il y en ait deux qui restent en haut hein, si on continue. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. D'accord avec ça. On est 4, autant optimiser. Allez mon petit Galden, on y va. Ah bon bah voilà. C'est vrai qu'on s'est pas trop gavé. Ah, un objet quand même. Un gant de cuisine, puissance 8. Thank Daniel. Hein pour nous, mais ça ouais. aller, on pense. Se fait attaquer. Ah pardon. Non, si tu tankes bien, ça devrait aller. Ça ira. Au pire, vous pouvez reculer hein, au pire. Hein, mais. Ouais. Bah, on va reculer avec les autres. Voilà, et là ça va le faire. Alors, qui veut le gant de cuisine du coup? Mets-le en partagé. Ouais, en inventaire. Ok. Alors, c'est juste des dégâts, le gant. C'est juste puissance plus 8. Hein. Puissance, c'est plutôt toi. Hein. Qui est-ce que bah, c'est... Moi, c'est... Ouais, c'est... DPS. Qui a le plus petit attaque? Plus 8 pour moi. J'ai 39 DPS, 39 de puissance, 1 de délai. Ouais, bah c'est... J'ai 1,5 de délai. C'est plutôt pour toi, Damned. Allez, ça marche, je me booste, y'a pas de soucis. Vitesse 37, qui est le plus rapide, c'est moi aussi? Ça va être toi, je pense. Certainement. Moi, je suis à 27. 22. Je me traîne. Ouais, bah, reste dans cette pièce-là, et puis... Tu vas plus vite quand il y a quelqu'un dans la pièce avec toi. Toute façon, là, on n'aura pas de vague, hein, vu que tout le monde est dans une salle. On est bien. Allez, c'est parti. Alors, je suis désolé si vous n'entendez pas trop les sons du jeu. Je vais vous les remonter tranquillou. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh non, c'est pas un 4X. Non, c'est pas un 4X, c'est un... Alors, il est considéré comme un roguelike tower defense. C'est pas tout à fait faux. Enfin, c'est la description officielle, hein, d'ailleurs. Ouais. Je suis plutôt d'accord. C'est clairement du tower defense. Si tu construis pas de... Si tu construis rien, tu meurs. Oui, non, clairement. Attends, on va essayer de t'expliquer vite fait ce que c'est. On finit juste notre étage. En gros, c'est un jeu où tu avances salle par salle avec des ressources. Ça va être très dur à expliquer. J'ai beaucoup de mal à expliquer. Quelqu'un peut l'expliquer mieux que moi? Il y a les. Je sais pas si on m'entend assez. Oui. Il y a les 4 ressources classiques des jeux. Pas par exemple. Des jeux. Des jeux endless. Ouais. Voilà, avec. Il y a la poussière, la dust. La brume. Correspond à l'argent, voilà la brume. Pardon. C'est l'argent du jeu. Il ouais. y a la nourriture, la science et l'industrie. L'industrie, c'est ça. Donc l'industrie permet de construire des modules dans les salles qui vont te permettre de gagner davantage de ressources
ou te défendre. Je vais te montrer, attends, tiens, hop, en construisant des générateurs comme ça. Tu vois, et il y a une icône très importante du jeu. Attends, je précise, tu vois, à chaque fois t'as l'icône ouverture de porte, c'est parce qu'en fait ce jeu se joue en tour. Et à chaque fois que tu ouvres une porte, tu avances un tour dans le jeu en fait. Et c'est là que tout se déclenche, les gains de ressources, les vagues, voilà. Juste pour préciser. Ensuite, il y a les. Il y a les modules mineurs, donc qui sont les trois d'à côté par rapport à ce que c'est ça. Pour moi, on a que ça, ouais. On n'a pas grand chose, on a juste un petit pipiou qui vont t'aider à te défendre. Donc, ça, tu les construis avec l'industrie, qui est la ressource orange. Ouais. La science va te permettre de rechercher d'autres modules. Te permet aussi de mettre à jour tes compétences actives. Je te réponds pour cela, oui, tout à fait. Quand tu passes à l'étape suivante, tu perds tes modules et tu réinitialises automatiquement les gains que tu as à chaque ouverture de porte. Mais tu gardes ce que tu as pu accumuler par rapport au... Oui, par contre, ce que tu as gagné, ouais, tu le gardes, effectivement. Pensez à remettre les petits automatiques sur... ils sautent à chaque étage. C'est un peu chiant. Ah voilà. La bouffe, ça te permet de level up et de te soigner. Et la brume, ça te permet d'éclairer les salles. Qui est un concept indispensable. Que tu vas comprendre, une salle, une salle éclairée, c'est une salle dans laquelle tu peux mettre des modules qui vont servir. Et c'est une salle dans laquelle les monstres ne peuvent pas apparaître. Ouais, en gros c'est ça, effectivement. Et le but, en fait, c'est quand tu as trouvé la sortie, soit tu continues à ouvrir toutes les salles de l'étage, sachant que bah, faut bien gérer ces éclairages et les vagues de monstres s'il y en a, sinon bah, tu peux crever. Il faut défendre le cristal aussi, parce qu'il y a des monstres qui focusent le cristal, donc ils vont venir là. Et donc une fois que tu as trouvé la sortie, le but c'est de créer son schéma de salle, de son chemin le mieux possible, parce que le gars qui va prendre le cristal doit l'amener à la sortie, et en fait il y a des vagues de monstres qui vont popper à l'infini de toutes les salles qui ne sont pas éclairées, ou si elles ne sont pas éclairées, s'il y a quelqu'un dedans, ça les bloque. Mais du coup, si elles sont pas éclairées et qu'il n'y a personne dedans, bah, il y a des vagues de monstres. Et ils vont focus le mec qui a le cristal qui perd... je crois plus 20 qui perd 20 en vitesse ou un truc dans le genre, donc il devient beaucoup plus non, lent. C'est, je crois que c'est 50%. 50% c'est. Ouais, c'est peut-être 50%, ouais. T'as peut-être raison. Donc là on arrive dans le deuxième étage, effectivement. Donc on va ouvrir une salle au hasard. On va commencer par celle de droite. Allez, on va aller à droite. Touk. Et là on voit que c'est une salle où on va pouvoir construire un module majeur et 4 modules mineurs. Ça coûte 10 de brume pour éclairer une salle. Là on vient de le faire, tu vois, si je déséclaire la salle, tu vois, hop, on a 24, on peut éclairer 2 salles. Et donc là, Halloween qui est notre constructeur, on lui donne toute l'industrie automatiquement, il a construit un module d'industrie qui va nous faire gagner plus. Le plus 2 que tu vois là, en fait, il est partagé, hein. Chaque personnage gagne de l'industrie, donc en fait on l'a centralisé là, on la centralise sur Halloween, et tout le monde centralise son gain de science sur moi. Voilà. Et je peux level up, moi. Ouais, après voilà, si t'as assez de bouffe, tu peux level up, moi pas encore. Question, est-ce que avec nous, avec Halloween, on a toujours une plus ou moins de stratégie, c'est qu'on ouvre en général une salle à chaque endroit autour du cristal, et après on prend un seul chemin. Parce que des fois, il y a... bah t'as des salles que tu vas... S'il y a une salle de construction, elle va être tranquille, elle va être safe en fait. Je valide. Allez. Bah voilà, comme quoi. Les grands esprits se racontent. C'est ça. D'autres salles après. Tout à fait. Au moins, t'as une salle que tu parfait. Peux... Donc là, on est tombé sur une salle auto-alimentée. Voilà, donc celle-là, on est tranquille. Quand il y a les petits bruits bleus, elle s'alimente tout seul, elle n'utilise pas de brume. Donc ça, c'est bien. Donc là, hop, on redescend. Et on va faire celle au sud aussi. Et par chance, c'est trois salles où on peut faire de la construction. Ah oui! Oh oui, ça c'est bon ça. Ça en fait c'est un objet, si tu achètes, tu payes de l'industrie, et ça la convertit en gros en brume, enfin ça débloque de la brume. Donc là on a eu un gros gain de brume sur ce truc là. Donc là on est bien, maintenant faut continuer à un endroit. J'ai tendance à partir à celle où il y a le plus de portes, ce qui peut permettre de faire un joli checkpoint. Ok. Et pour accumuler de la brume. Donc on part par là? Ouais, moi je vais aller. Allez, plein sud. Eh ben, bien je pense par rapport à tout à l'heure. C'est ça. De l'eau déshydratée. C'est bien ça débloque un truc, je revérifie. Ouais, ça débloque additif, coût du soin, moins 10% pour tous les héros à l'étage. Donc ça, bah, qui veut le prendre, ça donne un peu de PV max au passage. Le tank, c'est le chef. Hein. C'est le chef Nanor. C'est lui. Je serai votre tank. Je peux pas level up encore. Encore une salle, moi, pour ma part. Hop! Et pareil. Bon, bah, au moins là. Ouais, mais c'est tant mieux. On peut construire un truc ici et on est tranquille.
Non, il va manquer un peu d'industrie pour construire. Bon, bah on pourra. On le fera après. De l'eau déshydratée, c'est de l'oxygène. Bah, ouais. Vu comme ça. Profiteur de guerre. Hein. Probabilité de récupérer de la brume sur les créatures x2. Ça, c'est trop bien. Recharge ça. Deux c'est portes. Très bien. Okay. Bah, c'est démon niveau 2 que j'obtiens ce talent. C'est bien. Ça nous donne des chances de générer de la brume en fait. C'est sur tous les étages, il me semble. Non, y a... alors. Non, c'est dans la salle. Poslo, il y a un truc qui produit de la brume, c'est si jamais tu ouais. débloques plus tard un truc qui s'appelle le magasin. Et si t'as un marchand, marchand vient dans le magasin et tu peux générer de la brume, mais ce sera un tout petit peu. Ouais, mais c'est compliqué parce que déjà, faut avoir débloqué le magasin. Mais on va le faire hein, si on peut le faire. Ensuite, il faut trouver le marchand. Dès que le marchand est trouvé, effectivement, il se téléporte au magasin et il faut avoir un personnage qui peut manipuler les modules pour pouvoir générer de la brume. Ou un pote. Ou un petit robot. Un petit robot. Les robots tout seuls le font ? Ouais. Il y en a ouais, qui le font. Ils le font tous. Dès niveau 1, les potes mécaniques, ils opèrent en fait. Ah, donc, je savais pas ça. Ils te donnent un de bonus dans chaque. Ouais, mais ils manipulent pour toi aussi ? Oui. Oui. Ah, je savais pas. Pardon, mais, je me souvenais plus. Ils donnent moins de bonus, non ? Ils te donnent 1 de base. En fait, c'est plus 1 par tranche de 10 d'astuces. Or, les potes mécaniques de base, ils ont 0,5, je crois, ou 1. Ça doit être 1. C'est un bon, j'ai bu le 2. Signe, merci. sur mon profiteur de guerre, j'ai un délai Allez-y. Avec une goutte. Ça correspond à quoi cette goutte ? C'est l'icône du délai. Comment ça, un délai avec une goutte ? Bah, sur moi, délai, j'ai une goutte et un x3. En fait, c'est la vitesse d'attaque. Ah, d'accord, oui. C'est capé sur mon délai, d'accord. C'était non, ça que tu voulais. Ça veut dire que ça triple ton délai d'attaque. T'attaques beaucoup moins vite quand tu fais ça. Ouais, donc je serais encore moins utile. Ok. t'es utile à ta façon, mais t'es pas utile au combat. Hein. Mormiche, c'est pas du tout un combattant en fait. Mais c'est bien, à 4, c'est ce qu'il faut. Il faut de la variété. Allez, on va à gauche. T'as toujours pas d'industrie, hein ? Non ? Non, pas. Ok, je savais plus où on était. Ah, ça c'est nul. Ah, c'est pas si nul. Allez, il y a peut-être un truc sympa. Oh, qui c'est qui veut un petit tutu ? Alors, soit je le prends moi, mais bon. Bah, vitesse 4, défense 9. Bah, ceux qui vont être au combat, ouais. C'est ton autre plus rapide. Bon, bah, écoute, je le prends alors. Et tu seras tellement beau avec, je pense que. Ouais, c'est dommage qu'on les voit pas apparaître sur les persos d'ailleurs. Ouais. Allez, on continue à droite. Ah, d'accord. Okay. Un peu de brume, mais c'est bon. On est bien. Ouais, c'est ça, comme disait le signe, ton délai associé à la puissance donne ton DPS, tout à fait. C'est ça, tu multiplies. Ok, bon, et ben allez, plein nord. On regarde tous vers le nord, alors allons au nord. Ah, mais au nord. voilà, ça y est, on commence à plus avoir de brume. Bah tout le monde sauf Mormiche. C'est parti. Bah ouais. Je vous regarde, hein. Allez-y les gars. Ok, bon bah voilà. Bah c'est toi et moi, Dend. Éventuellement, ouais. Comme vous voulez. Qui c'est qui sacrifie pour aller là-bas ? Ouais, en même temps, c'est aussi bien de faire pop des monstres. Ça fait les monstres, c'est la brume. Hein. C'est vrai qu'on peut en faire pop un peu parce que Dacus nous permet d'avoir. Oui. Comme ça. Ça en fera plus. Après, si vous êtes pas chaud, je reste dans la grande salle. Non, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Sûr. Non. À la limite, tu construis quelques modules mineurs. Ouais. Pour la défense, je l'ai pas fait. La recherche. Recherche. Pour ça, quoi. Alors, on a le VTH tactique qui rajoute la puissance à tous les héros de l'étage. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est pas mal aussi. Le pote mécanique. Encore une fois, les mines Les Morts qui font du dégât de zone. Et le gaz poivré. Qui est pas mal aussi, le gaz poivré, mine de rien, mais je sais pas trop quoi faire là. Ouais, je dirais le pote mécanique. Pareil, ouais, c'est. Ouais, c'est quand même le plus utile. Enfin, un des plus utiles. C'est une valeur sûre. Bon, par contre, on a toujours pas de brume, mais il nous reste des portes à ouvrir. Hein. Là, pour le coup, il faut rester en défense et je pense qu'il faut mettre quelques. Voilà. Quelques mineurs. Ah, bah, ça, c'est. On laisse faire notre cher Halloween. Hein.
Tu vois, voilà, là on construit des modules mineurs avec ça en fait. Hop. De vagues, je t'en mets 4. Écoute. Pour quelqu'un ici pour pas qu'ils attaquent le cristal. Et... Ouais. Je vais rester peut-être avec. Salut Zikino. Ok, bon bah je reste avec Halloween. On y va, mon petit Halloween. C'est parti. Viens dans la salle centrale d'Acus. Tu veux pas. Ah bah c'est bon. Ça pop ou pas? Non, ça pop. Non, c'est une seule petite vague. Oh, c'est moi qui suis en train de prendre. Ah oui, par contre, toi t'as pris cher, ouais. Recule, dame. Non, c'est bon. Bah là, c'était pas trop nécessaire, ça va, mais. Putain, on est à 1 de brume. On a gagné un peu de brume quand même avec, mais. Du coup. On reste comme ça? Ouais. T'avances un coup, ouais. Halloween? Allez, c'est parti. On vous laisse éclairer les salles, hein, s'il y a besoin. Ouais. Bah, essaye, on peut. Ça pop. Ok, on arrive. Ouais, il faut revenir chez nous. Ouais. Bon, après, on a de la défense, donc. Petit conseil, enfin, peut-être que c'est bon, je le dis surtout peut-être pour Dacus qui a pas joué plus longtemps. On peut binder une touche, hein, pour se soigner, hein, parce que ça peut aller très très vite dans le jeu de paniquer et de pas cliquer assez vite en haut. Ouais. Je te conseille. Dans les options. Options. Ah ouais, faut que j'aille voir. Ouais. Dans les contrôles. Soigner le. C'est original comme touche. Ouais. Non, c'est hyper important. Parce que. Et le restaurer, vous avez un truc, c'est restaurer le héros. Ça, vous pouvez le binder ou pas. Ça permet de payer de la science, mais du coup, vous me la donnez. Pour récupérer immédiatement sa capacité active et pas attendre plusieurs salles de recharge en fait. Ça peut servir, hein. Mais bon, on n'a pas fini la recherche. C'est pour ça que normalement tout le monde devrait avoir un peu de science, mais bon. Les premiers étages, ça devrait aller. Ouais, c'est ça. On devrait pas trop en avoir besoin. Un pote à recruter. Est-ce qu'il y a des vagues? Il y a pas de vagues. Mais bon, on va pas le recruter, hein, de toute façon. Mais je le montre pour ceux que voilà. Parce que normalement, si tu joues en solo, tu commences avec un seul perso, non? C'est ça. Hein, ouais, en solo, c'est un seul. Oui, c'est deux, bien sûr. Deux. En solo, tu commences avec deux persos, exactement. Donc tu peux en recruter d'autres, t'en trouves dans les étages. Hein, tu peux les recruter. À 4, bah forcément, tu commences à 4. À 3, tu commences à 3. À 2, tu commences à 2. Mais donc c'est pour ça. Et là par exemple, je pourrais recruter pour perdre mon perso. Enfin, je pourrais enlever mon perso pour en prendre un autre. Bon, je vais évidemment pas le faire, mais c'est tout à fait possible. Et c'est comme ça aussi que vous rencontrez des personnages du jeu que vous ne connaissez pas. Et si vous les recrutez, que vous faites 3 étages avec eux, vous les débloquez et vous pouvez ensuite les prendre en début de partie. Voilà. Il y en a de nouvelles recherches avant que tu ouvres la porte. Voilà. Ouais, tout à fait. Je vais venir voir ça. Il y a le générateur de ministrie 2. Oui. Après le reste, voilà. 46 pour 46. Ouais, mais j'ai 72, donc on est bien. On va carrément le prendre. Alors en plus, autre avantage des héros que tu laisses comme ça, c'est qu'ils défendent. Ils défendent la salle, ouais. Si jamais il y a des mobs qui arrivent. Tout à fait. Bon, c'est pas la peine que vous restiez tous les deux là-bas. Ouais. Vas-y. Il y a plus qu'une vague. Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir plus de vagues en bas qu'en haut, du coup, donc. Il n'y a plus qu'une vague? Comment tu peux savoir qu'il n'y en a plus qu'une? Bah, il n'y a plus qu'une salle éclairée en haut. Pas éclairée, ah, pardon. Oui, d'accord. Voilà. Tout simplement. Ok, je vais reculer du coup, hein. Pas assez tout seul. En plus, on a l'autre qui nous aide, on prend. Fais gaffe à ta vie quand même, Halloween, elle descend très très vite. Ah, mais pourquoi il me focus moi dans le petit bâtard? Nickel. Ils me viennent dessus, quoi. J'ai fait un pas dans la salle, il s'est retourné sur moi, quoi. Ouais, ils t'en veulent, hein. Je sais pas exactement comment gérer l'aggro dans le jeu. Ça dépend des mobs. Ouais. La plupart focus que ceux qui sont dans la salle. Il y en a qui doivent focus ceux avec le moins de vie, il y en a qui peuvent taper tout le monde. Ouais. En vrai, le plus simple, c'est d'avoir un objet qui permet de gérer l'aggro, de taunt tous les mobs. Et tu fais des allers-retours dans la pièce et les trucs font des allers-retours et se font focus. C'est ça. Allez, on continue. Reste la dernière fois. C'est la sortie. Donc normalement pas de vague de monstres, hein, quand on trouve la sortie, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est bon. Ah, je savais pas ça. Il me semble que si. Hein. Ah bon? Il me semblait que quand tu trouvais la sortie, il y en avait pas. Je crois que la sortie, il y en a pas.
Ouais, c'est un souvenir que j'ai, mais bon. Bon. Est-ce que vous voulez faire une toute petite salle de défense là? Non, c'est pas la peine. Oh non. Non, on va être bon. Ça devrait le faire. Allez, let's go. Voilà, c'est bien la dernière porte. Ok, je vais reculer. Je vais activer mon pouvoir. Alors eux par exemple, ils foncent sur le cristal, typiquement. Et là, il va le taper, voilà, et il nous fait perdre de la brume. Et aussi. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Vas-y, fuis. Barre-toi. Reviens, Daniel. Ouais, mais bon. On s'en fout de perdre de la brume maintenant. Oui, on s'en fout un peu de perdre de la brume, pardon, oui, effectivement. Même des modules majeurs, ça. Ouais, les modules, on s'en fout maintenant. Ok. Bon. Non, on s'en fout pas, c'est une question de respect. Oui, par contre, oui, ça c'est sûr. Donc là, typiquement, on a maintenant que c'est la fin, on va devoir transporter le cristal de là à là. Donc là, stratégiquement, on va pas éclairer les trois dernières salles, parce qu'en fait, une personne présente dans une salle ne génère pas, enfin empêche qu'une vague de monstres soit générée. Donc on peut se permettre d'éclairer le maximum de salles pour que quand je vais aller de là à là, le chemin se passe le plus tranquillement possible. Ah, c'est des toutes petites stratégies, mais qui permettent de changer la donne. Voilà, j'arrive. Et on voit qu'avec le cristal, je suis plus lent. Je suis plus qu'à 17. Donc là, voilà. Il y a quand même des ennemis qui vont vite, hein, qui tracent. Hein. Ouais. Mais bon, avant qu'ils me descendent à 0 de vie. Là, Galden va s'en charger en plus. Hey, ils font mal quand même. Hein. Hop, vas-y Galden, ramène-toi. Halloween, tu peux te ramener aussi. Et là, oui, je peux sortir. Hop là. Et je peux sortir. Sachant qu'on peut partir, même si tous les héros sont pas là. Hein. Si j'avais appuyé, ah oui, on se barrait sans les autres. En laissant du monde derrière. C'est moche. Ouais, c'est moche. Ouais, c'est ça. C'est un roguelike tower defense, Zikino. En tout cas, c'est présenté comme ça officiellement. Et je suis plutôt d'accord. C'est surtout un tower defense. Il y a un côté roguelike forcément, mais. Eh ben, on va aller à gauche pour commencer. Donc je peux opérer. Je viens de passer niveau 3. Donc moi, maintenant, si je reste dans une salle, je vais. Ouais. Le petit engrenage qui apparaît. C'est ça. Alors en fait, ouais, c'est ça. En gros, il va pouvoir manipuler effectivement. Ça va permettre de gagner davantage de ressources sur ce module. Si je ne perds pas. Par contre, il n'est pas actif tout de suite. On voit qu'il y a les trois petits points. Il sera actif à partir de la prochaine ouverture de porte. Donc là on gagne plus 3 d'indus. Et je pense qu'on passera à plus 4. Je pense, on va le voir tout de suite. On ouvre la porte. Ouais, je suis à 9 d'astuce. Et là, tu vas passer en vert. Voilà, on passe bien à plus 4. Sachant j'ai oublié de remettre les trucs en auto. Oui, c'est normal, ouais, faut basculer à chaque étage. C'est un peu con ça, mais. Si tu veux l'activer, Halloween, t'as une chance d'avoir de la bouffe, mais ça peut être un perso aussi. Hein. Bah, t'as eu de la bouffe. Ah, nice, pour faire un petit level up. Bah, c'est que pour lui, hein. Non, j'en ai eu. J'en ai ah eu bon aussi. Ah ouais. J'en ai eu aussi. Ah, ok. Propre, bah level up. Donc voilà, là donc là tant qu'il y a le rouage vert, Galden, ils ont corrigé un truc aussi, c'est qu'avant quand tu cliquais si tu voulais aller dans une autre salle et que tu recliquais dans ta salle pour dire merde, enfin t'as fait un misclick, tu perdais la manipulation. Mmh. C'est plus le cas maintenant. Tant que t'es pas sorti de la salle, non, tant que t'es pas sorti de la salle. Ouais. Oui, mais avant, si tu faisais un clic, genre je vais faire un exemple, si tu faisais ça, tu perdais l'astuce, perdais la manipulation. Maintenant, tu as le droit de misclick, mais par contre, si tu sors de la salle, c'est foutu, il faut attendre 2 tours. Allez, on monte au nord. J'ai tranché. Régénération de PV. Ah, ok, c'est pour les modules. Donc, ça, ça bloque un emplacement qui sert à construire pendant le nombre de tours qui est marqué, donc encore 5 tours, et ça fait un effet qu'on peut pas enlever. En gros, bah là, les modules, ils ont plus de défense, mais par contre, leur point de vie se régénère. Mais bon, les modules mineurs, c'est les modules d'attaque. En gros, enfin, c'est les trois petits, là. Bon, on s'en fout, voilà. On va dire comme ça. Surtout pour l'instant. Ouais, surtout pour l'instant. Eh ben, encore une. Mais... celle-là est moins bien. Celle-là, elle est moins bien, ouais. On perd... les modules mineurs sont plus puissants, mais par contre, nous, notre puissance, elle est divisée par 0,5, du coup.
Et ça fait un bruit très chiant en plus. Pendant 7 tours, non, c'est multiplié par 0,5. Ah bah oui, oui c'est bizarre. Ouais, bah ouais. Mais ouais, ouais, c'est bizarrement dit, ouais. Il faudrait peut-être du coup faire des. Des piou-piou autour du. Ouais. Ouais, on pourrait. On pourrait faire un petit voilà. Bloc, un petit repli, mais bon après c'est. Ouais, non, mais si on peut le faire quand même. Ça coûte pas cher. Ouais, ça coûte pas cher. Ça peut sauver la vie quand même. Ouais, ça peut nous sauver. Faut pas qu'on soit trop gourmand non plus. Moi, surtout, ce qui me saoule avec les cristaux, c'est leur effet, mais c'est le son qu'ils produisent, je trouve hyper strident. Allez, on descend. Allez, direct. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu, mais ouais, c'est vrai qu'on aurait pu. Exact. Bon, bah, de toute façon, ça va. Oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on remonte, justement, parce qu'on fait moins mal. On a malheureusement pas assez de brume pour éclairer. Et putain, encore 3 tours et 6 tours pour pouvoir mettre des modules. Putain, c'est chiant ça. Ouais. Les stèles en général, c'est chiant. Bah, quand elles durent 3 tours, ça va, mais quand elles en durent 7 ou 5. Bon, bah, on descend. Plein sud. Que quelqu'un reste dans la salle quand même. Vous deux même. Ok, on a la sortie et de la brume. Mais pas assez pour éclairer. Bon. Tu restes là, Dacus ? Ouais, ouais. Allez, je descends. Ok, on a un perso, c'est Entelo, niveau 1. Nickel. Bon bah, on continue. Combien de temps il reste? Un tour pour la stèle d'en haut, ouais mais ça c'est pour les mines. Ok, bon bah, ça fait partie. C'est la fin après. Ok, on a de la brume, par contre je vais remonter. Je pense qu'on... Tout le monde, ouais. Ouais. Tout le monde. Dans la salle de défense. Hein, ouais, dans la salle de défense, carrément. On va les attendre là-haut. On laisse Entelo mourir dans d'atroces souffrances. C'est ça. Bah, ils s'en foutent. Apparemment, ouais. Ils en ont vraiment rien à faire. Non, c'est les cristaux qui arrivent. Non, les deux, les autres aussi. Voilà. Pourquoi se fatiguer? Et du coup, voilà, le cristal est mort, donc bah voilà, il a déjà construit. On a un nouveau. Nouvel emplacement de module. Parfait. Donc on reste toujours de ce côté tant qu'on peut, hein, parce que du coup Galden est tranquille, hein, il a personne qui peut venir l'embêter. Grâce à lui, on gagne plus d'industrie, donc et on la remercie bien. Même d'ailleurs, si tu faisais un pote mécanique, on en gagnerait encore plus. C'est vrai qu'on a les potes mécaniques. Parce que je suis à 9 d'astuces. Je vais en faire un, mais je suis pas sûr que ce soit assez pour nous faire passer au-dessus. Ils font combien? Ils font 1, ça fait. Et je suis pas sûr que ça se cumule. Si. Ah, mais le truc, c'est que même si on gagne que plus 1 encore, c'est pas sûr que ça nous fasse passer au-dessus du. Oui. Nombre, comme c'est arrondi au supérieur systématiquement. Bah ça me fait 10. Bon, on verra au prochaine salle. Mais bon, okay. Effectivement, c'était peut-être d'industrie gâchée. Ouais, des fois, c'est pas facile hein, de regagner plus avec les potes mécaniques. Allez, je vais à droite. Nickel, de la brume, on a une petite vague en bas. Ouais, bon, ok, c'est pas une bonne idée. On fait quoi, on monte dans la salle ou là? Y'a quoi? Bon, apparemment. Ouah, wow, c'est bon, on est pas mal là. Non, mais y'a pas grand chose non plus. Pour l'instant, y'a pas grand chose. Oui, on s'entend bien. Je connais ce jeu. Effectivement, pour l'instant, ça va. Ça va peut-être se compliquer à fur et à mesure, mais. Attends, on a même pas un cristal de recherche, quoi, c'est relou, hein. Ça, c'est chiant. Parce que de la science, j'en ai, hein. On va reculer, non? Oui. Ouais, tu peux remonter, hein, Dacus. Ouais, j'arrive. Ils en ont rien à foutre d'Entelo, c'est dingue, quoi. Ouais, c'est bizarre, ça. Ah, si, ça y est, ils se font enfin attaquer. Ah si, je l'entends, ah oui. Qui était en train. Ouais, là il vient de crever là. Tant pis. Oups. Des os, ouais. Vous êtes absolument pas crédible. Non, c'est vrai, ouais. Bah voilà, le film qu'ils étaient avant, ils défonçaient les rois recrutés. Bah ouais, là il y en a un qui les a focus, l'espèce de serpent, mais les autres c'est vrai qu'ils en avaient rien à foutre. Ils attendent peu, ils attaquent.
Bah, je sais pas si c'est lié à ça. Je sais, alors là, franchement. Ah, cul de sac. De hop. La bouffe. Bah, écoutez, hein, premier arrivé. C'est pour tout le monde là ou c'est que pour moi? Non. Ouais, c'était que pour moi. Alors là, bah, du coup. Moi, je peux peut-être gérer avec Gelden hein, pour le moment si vous voulez rester comme ça. Hein. Tu peux faire un majeur. Tu peux faire un module majeur. Ouais, mais je sais pas combien de portes il va rester. On a déjà ouvert un certain nombre. 11. Je pense qu'il en reste quelques-unes, mais à voir à quel point c'est rentable. Comment est-ce que tu vois le nombre de. En bas à droite, t'as étage 3 et t'as le nombre de portes que t'as déjà ouvert. Sachant que plus tu montes dans les étages, plus il y en a. Oui. Mais je crois que t'as un ratio, enfin t'en as pas pile un nombre à chaque niveau, c'est entre temps et temps, je crois. Oui. Bon bah let's go. Oula. Trois portes. Et un cristal de recherche surtout. Nourriture 2, je propose de le prendre. Oui. Ah bah oui. Bah oui. Bon, du coup je vais mettre un autre truc. Ouais peut-être. Est-ce qu'on mettrait pas quelques défenses au niveau de Gelden aussi? Bon pour moi on est pas, c'est pas le pire ici hein, mais. Non, sinon l'autre alternative c'est que vous remontez. Y a quand même. Si on met des défenses des pipiou là sur tout le trajet, ça peut quand même faire du ménage le temps qui passe. Ouais. Bah est-ce que ça va pouvoir gérer 3 vagues? Bah ensuite à nous de faire demi-tour si on voit que c'est vraiment chaud quoi. Ok, moi je veux bien. Les vagues, c'est aussi de la brume qui apparaît, hein, et qui permet de oui, ça. C'est sûr aussi. Il y en a qui aiment vivre dangereusement dans cette équipe. Je sais pas si je reviendrai. Je suis un peu d'accord avec Halloween, hein, nous, le jeu. Si j'ai bien compris, Gelden il poireuse au lieu de jouer. Bah, ça fait partie du perso. C'est un peu ça. C'est vrai qu'en solo, t'as moins ce problème parce que tu les gères tous les quatre, mais ouais. Si tu mets en multi, bon bah. Après, en vrai, on peut passer l'industrie à Gelden et avoir Gelden qui gère les construits. Hein. Oui, voilà, si vraiment il s'ennuie, on peut lui passer effectivement toute l'industrie à lui. Ouais. C'est bon. Ok, très bien. Tu t'ennuies pas trop, ça va? Tu veux pas rage quitte? Non, c'est bon? De toute façon, à partir du moment où il y a Damned, de toute façon, on a quelqu'un à écouter. Donc, Très bien, je parle beaucoup, c'est ça. Allez, on va ouvrir une porte, hein. Ah, tu aimes bien me rappeler à chaque fois que je parle beaucoup. Eh ben on a une ceinture à outils, c'est de la bouffe hein, par contre. Hein. 3 d'astuces, c'est des verrouilles réparées. Eh ben, on a un bouclier en fer. Ouais alors c'est vrai que je vous ai pas laissé, mais les descriptions des objets sont vraiment sympas quoi. Une chemise en titanium est un système personnel de défense de grande qualité assez répandu. Ouais ça coûte 60 la ceinture à outils là. Ah non. Ah bah. T'as le mécompte de fées qui est moins cher aussi, qui donne la même chose avec maître hacker qui fait je sais plus quoi. Je les oublie tout le temps les compétences. Parce que 3 d'astuces il serait pas mal. Bah t'as 3 d'astuces sur la ceinture à outils à 60 et t'as le mécompte de fées à 30 qui donne aussi 3 d'astuces. C'est juste la compétence qui est pas la même. T'as maître hacker d'un côté à 30 et réparer à 60. Mais réparer tu vas peut-être le débloquer je pense au bout d'un moment. Réparer, je l'ai déjà. Ah bah ouais, donc je t'ai passé. Ouais, tu m'as envoyé 30, je te l'achète. Hop. Parce que oui, du coup, il peut pas, comme il peut pas bouger, bah, voilà. Faut que je lui donne quoi. Hop, je vais juste l'équiper juste pour voir ce que ça fait, maître hacker. Astuce plus 8 pour la réparation et tu donnes plus 10 de défense au module mineur dans la salle. Donc ouais. Ça peut être pas mal, du coup. Ce qui correspond tout à fait au perso. Tout à fait. Donc plus on a d'astuces, je vous le montre, hein. C'est vrai que je vous ai pas montré, vous avez les PV. La régénération, si vous en avez, bah, ça veut dire que vos points de vie se rechargent pendant les vagues. Parce que vous avez dû remarquer que, à part en se soignant, bah, les PV ne remontent pas, sauf si vous avez de la régénération. Ou vous revenez full life à la fin des vagues. La défense, la vitesse, la DPS on a dit, donc c'était la puissance multipliée par le délai. Et l'astuce c'est l'intelligence, donc plus vous avez de l'astuce, plus quand vous allez manipuler comme est en train de faire Gelden, le bonus que vous allez gagner sera important. Et à chaque fois qu'on rajoute un petit pote mécanique, il rajoute plus 1. Donc c'est bizarre, c'est qu'on est encore à plus 5 là. Alors, je suis passé à 12 astuces. Non, ouais, mais je te dis, c'est lié à la façon dont l'industrie est répartie, je pense.
Ah oui, en effet. C'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé à plus 6. Il n'y en a pas un qui a plus 6. Moi, je suis à plus 5. Non, la façon dont c'est fait, c'est qu'en fait, ils calculent comment ce serait pour un seul joueur. Ils divisent entre nous 4 et ils arrondissent au supérieur. Ouais, c'est ça. Du coup, même si on gagne plus qu'un, ça peut ne pas changer l'arrondi en fait à la fin. C'est ça. Ok. Ouais, c'est le problème. Quand plus t'es nombreux à jouer, plus c'est problématique pour ça. Alors. Eh ben, on continue à gauche. Et on a un petit objet. Est-ce que quelqu'un peut mettre des lances? Non, mais faut y aller. Ouais, il va falloir défendre. Ah bon, pardon. J'avais pas vu. Excusez-moi, j'arrive. La situation est sous contrôle. C'est bon, c'est bon. Avec nous, ça va le faire. Ça fait le faire quand même. On gagne pas grand chose en brume, ça y est, on a eu un plus 1. Ah, ça fait le taf à cet étage, c'est que je crois que c'est au prochain que les bestioles qui focus les modules commencent à apparaître, ouais. C'est possible. Ouais, donc un cure-dent vert, non? Y a personne qui a la lance, hein. Donc, non. Non. Ça se revend. Un pistolet et un couteau. Une épée. Ça se revend, mais de la merde, je le garderais bien si à un moment on a un marchand qui prend de la brume en fait. Ouais. Ouais, d'accord. Hein. Parce que oui, les marchands demandent soit de l'industrie, soit de la science, soit de la nourriture, et ils peuvent même demander de la brume. Mais du coup, ils peuvent aussi vous enfiler si vous leur revendez des objets. Mais ça, c'est totalement aléatoire. Du coup, vous voulez pas occuper. Ouais, voilà. Parfait. Ouais, ce que je peux faire, c'est rentrer dans la salle et revenir comme ça. Ça génère pas de vagues. Ça, c'est une petite astuce aussi. Vous rentrez dans la salle, vous revenez tout de suite, et comme ça génère pas de vagues de monstres dans celle-là. J'active mon pouvoir. Je pense que ça devrait bien se passer après. Ouais, c'est bon. Ouais. Y a pas eu de vague. Non. Donc là, quelqu'un peut aller à gauche. Et on descend. Un peu de brume. Oula. Y'a du monde. Repliez-vous avec Gelden. Ouais, on va se replier à Gelden, ouais, je suis d'accord. Il y a une salle de défense, autant s'en servir. Ouais, ouais, et puis c'est clair. Et puis au moins Gelden nous apporte sa défense, enfin, son attaque aussi quand même. Ouais, parfait. Donc pour info, on peut rechercher le magasin. Donc on va le faire immédiatement. Le magasin, c'est où? Ah bah oui. Le magasin, c'est la brume, et la brume, c'est la vie. Ah ouais. Ça, on peut pas te dire le contraire. Hein. Bon bah, je reviens en arrière, j'attends un tout petit peu parce que si on quitte la salle trop vite, ça peut générer une vague de monstres. Et là on peut replier sur Gelden, c'est bon. Ça, c'est une stratégie aussi, si vous quittez trop vite la salle où vous êtes et que ça devait générer une vague de monstres multiples, y a un petit cooldown, enfin y a un petit délai quand on est dans la pièce avant que ça arrive. Donc sortir trop vite peut générer une vague de monstres dans cette salle, même si vous y étiez. Nickel! On est pas mal là! On pourra rechercher quoi après? Ok, la mitrailleuse. Ah, ça c'est bien ça. En plus, du coup, là, j'ai tout à l'heure, quand j'ai level up niveau 3, j'ai accro au danger sur soi vitesse plus 3 en étant seul dans la salle. Donc normalement, ça doit marcher quand je prends le cristal. Je m'en souviens plus, mais si là on lance une recherche et qu'on s'en va. C'est mort. C'est perdu. Là, tu l'as plus, ouais. Ça marche quand il reste des portes à ouvrir. Ben c'est bon, je peux me barrer. Par contre, il me semblait que s'il restait quand même un tour, ça oui. définissait. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. Tu peux. Ouais. S'il reste qu'une porte et que ça prend trois portes, ça le valide. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le magasin. Ouais. C'est bon, vous pouvez venir, Halloween et Gelden. Et on se casse. Paquet de vagues qui spawnent devant. Oui, c'est toujours mieux. On sait jamais. Il y a un haut fait pour tenir pendant une minute avec le cristal dans la salle de sortie. Ouais, mais c'est vachement plus simple à faire dans un niveau qui est éclairé complètement. Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu le faire au tout premier niveau. Là, ça va être plus dur en montant les étages. Et bah voilà, j'ai déverrouillé Ken Masoki au passage. Top. Bien joué. Bah ouais, merci Gelden de me l'avoir filé.
tout le plaisir pour moi. J'aime bien ce perso, mais c'est vrai que c'est un perso qui en fait est plus solo, hein, parce que... Enfin solo, solitaire. Parce que j'ai que des boosts de puissance quand je suis tout seul en fait. Mais bon, c'est pas grave. Eh ben allez, on va aller à gauche pour commencer. Youpi. Du coup, ouais, Halloween, hop, je te file ça. La science, pour le moment, faut en garder, j'en ai 70. Gardez votre science si vous voulez. Au cas où. Je garde mon point de science. Ok. Ouais, bah au cas où, ça permet de se reposer, comme je disais, au... bon, avant d'en avoir encore tout de suite besoin, mais ça peut venir. Allez, au nord. Et pas de module majeur ici, malheureusement. On va quand même continuer en haut. Oh, une grande salle. Ouais. Une salle sans brume avec de la vapeur toxique. Bah, nickel. Il nous ralentit, ouais. Bien, une bonne salle de merde, ça. Merci. Bon. Tu laisses ici Dacus. On va aller à gauche pour commencer. Ouais. Voilà. Petite mitrailleuse 1, est-ce que ça vous dit? Ou du neuro-étourdisseur, sinon? Ah, neuro-étourdisseur, c'est la vie aussi. Les neurostones, c'est la vie. Ouais, on est d'accord, hein. C'est pas mal aussi. Hein. Prochaine porte, je vais pouvoir level up, enfin. Ah, et moi du coup, on a encore un peu de temps, moi. Ah bah, ça va peut-être s'accélérer. Désolé, hein, je vous ninja la bouffe à chaque fois. Hein. Est-ce que je manipule un truc ou pas là? Est-ce que je peux le faire maintenant? Bah oui. Ouais, tant que c'est maintenant, ouais, tu pourras peut-être pas le faire très longtemps, mais. Deuxième truc d'industrie à manipuler. Mais... Ouais, on manque un peu de module, hein, mais de brume surtout, mais bon. Bah ouais, ouais. Faudrait qu'on trouve le marchand. Ah, ça va boucler là. Tu vas revenir à moi. Ouais, déjà, on a gagné un peu de brume. Pensez à utiliser ton actif et tout. Ouais, je l'ai pas fait, mais faut peut-être que je le fasse quand il y a plus de monstres, non? Bah, quand ouais, c'est mieux si c'est des vagues, mais c'est quoi le cooldown? C'est 2 ou 3 tours? 3 tours. 3 tours. Okay. Donc là, non, 2. 2. 2. Donc là, du coup, ce que je vais faire, je vais descendre là, rejoindre Galden, mais je n'ouvrirai pas la porte. Qui, sachant que quand on ouvre une porte d'une salle où on connaît déjà, c'est ce qu'on appelle nous une salle gratuite, c'est-à-dire qu'en fait ça ne génère pas de vagues de monstres. C'est une salle bonus en fait. Vous pouvez l'ouvrir, il se passera jamais rien. Mais bien sûr que si je l'ouvre après, ça crée un chemin jusqu'à Galden et au cristal, donc si ça pop là, ils peuvent passer par là et par là. Voilà, donc on va pas le faire. On va juste descendre. Pour le moment, et on ira pas plus loin. Ouais, ok, on a Dina. Je suis une professionnelle de santé, je ne suis pas obsédé par l'idée de tout contrôler. Ou bien est-ce l'inverse? Ah, j'aime beaucoup les descriptions. Hein. Tac, on pourrait faire... Alors, si vous me donnez un peu de sous, on peut faire trois choses qui sont bien. Pas de sous, de science. On a le réplicateur de nourriture 3, on a le pote mécanique 3, et on a le module laser 3. Bon, le module laser, ouais, c'est le moins intéressant, mais... La bouffe. Mais la ouais, bouffe, c'est la vie hein, aussi, hein. On a besoin de bouffer là. C'est parti à gauche. Et on manque de brume, mais très sérieusement. Ouais, ouais, non, lui il est loin du prochain point. Il fait pas de dégâts lui. Donc il t'affaiblit, je crois, par contre, ou un truc dans le genre. Ah oui, y a plus que les cristaux. Là. Ouais, ouais. Je crois que le mage de mémoire il t'affaiblit. Ouais, ouais, et un petit level up tant qu'on y est. Allez, on continue. Et par là, il y aura plus rien, malheureusement. Oh putain, il y a un gros par contre. Recule, ouais. Je fais une salle de défense avec Dacus. Ok, très bien, on fait ça. Et l'autre, elle est en train de se faire marave, je crois, non? Oui. Bon. Il se passe des choses en tout cas. Certains diraient quel autre. Il y a quelqu'un? Il a pris cher hein, quand même le monstre. Hein. Vache. Elle l'a bien défoncé. Hein. Bon, il y a aussi un avantage aux grandes salles, hein, c'est que les monstres mettent beaucoup plus de temps à la traverser pour descendre au cristal, donc c'est tout bénef pour nous. Ah, il y a le neuro aussi. Oui, on a un neuro, pardon, un neuro étourdisseur.
Et ça c'est bien. Déconner, j'ai mis un Neurostone. Ouais ouais, non mais c'est trop bien les Neurostones, hein. C'est la vie aussi. Hein. Ouais, bien sûr que j'exploite des pauvres streamers. T'as combien de d'indus 200. Ouais, ah ouais. Je vais aller opérer la bouffe. Ouais, c'est bien. Ouais, je pense que la bouffe, c'est bien. Et comme ça, mes passifs et actifs seront utiles. Oui, parce que là, on manque de... Ouais, j'avoue que la bouffe, c'est triste. Hein. Je vais quand même pas ouvrir la salle de droite tout de suite, hein. On va pas donner une chance aux ennemis d'aller au cristal directement. Non mais, du coup, reviens dans la salle. Faire pop 3 vagues. Ouais. Attends, moi j'ai un passif en fait qui booste les modules. D'accord. Un actif. Si vraiment c'est chaud. Ok. Alors on va voir comment ça se passe. Oui, bah Gaspard il est gentil mais non. Voilà. Tu peux débloquer une nouvelle recherche. Non, c'est une nouvelle recherche. Ouais, j'y vais tout ce pas. Et regarde comme il file. Donne-nous des trucs bien là. Industrie 3, mais 65, j'ai que 23. Ça va être compliqué. Tu fais pas d'efforts. C'est vrai. C'est vrai, bah. On peut l'écho, il nous faudra un peu de brume, mais on peut écho. Bah, il faut dire ce qui est, hein. On n'a pas beaucoup de place, donc la science, même si c'est très très bien. C'est pas ce qu'on a mis en priorité. Hein. Bon. C'est parti. Hop, je vais remonter cache. Ah, j'attends un petit peu. Oh non, c'est pas la peine d'attendre. Hein. Ouais, non, mais au cas où que ça génère un truc. Bon, lui. Oh. Rien ouais. Généré. Y'a 4 salles pas éclairées, ça a rien généré. Ouais. Bah tant mieux hein. C'est bien pour ça que je suis reparti en bas, enfin je suis reparti les affronter finalement. Ok, bon bah on continue hein. Oh, merde. Ça continue. Encore et encore, c'est que le début, d'accord. Ah, j'arrive. Et là effectivement il y a un peu de monde. Attention à votre vie hein. Ça va le faire. Si besoin, je vous rejoins. J'ai un petit cadeau pour toi, Dacus, regarde l'inventaire. Qu'est-ce que tu m'as donné? Ah, un petit sicou. Violet, s'il te plaît, ouais. La couleur a une importance. Ah ouais? Ouais, c'est comme dans les MMORPG, vert, bleu, violet. Plus elle est haute, enfin gris, vert, bleu, violet. Plus elle est haute, plus l'arme est efficace. Ok. Y'a pas au-dessus de violet, y'a pas orange, hein, je crois pas. Non. Ou sinon j'ai jamais vu. Ouais, bah. Ça existe, on l'a tous jamais vu. Toujours pas assez pour une recherche. Oups. Bon, remarque, ça change pas grand chose. Mais j'ai 39, cela dit, non, je pense que j'avais pas assez. Probablement, ouais. Ouais, y'a du monde là. Beaucoup de cristaux, mais y'a du monde quand même. Regardez comme c'est bien les neuro-étourdisseurs. Regardez comme ils sont mous. Ah, ils perdent le neuro-étourdisseur dans la salle et ça va plus. Ouais, non, c'est clair. Après on va pas se mentir, là, la salle elle a genre 7 modules mineurs. Ouais. Elle est pas mal, j'avoue que on est bien. Violet c'est épique, orange c'est légendaire, oui c'est ça. Mais légendaire, y en a pas. Bon bah continue en bas. Ah c'est vrai qu'il y avait un truc là pour peut-être gagner de la bouffe, je l'ai pas pris. Mais en même temps j'ai pas d'industrie donc... Ok. Bah si y'a ça on peut t'en donner. Ouais, non, mais après, oui. On a 200 de stock, autant. Ouais, vas-y, file-moi en 20 s'il te plaît, Halloween. En plus, ça en donne à tout le monde, je crois. Après, c'est peut-être un perso, hein. Oh, c'est de la bouffe, c'est nice. 21. Ah bah voilà. Petit level. Tant mieux, on prend. On continue toujours vers le bas. À la recherche, on me rappelle, oui, c'est vrai. Ah, c'était la dernière salle du coup. Non, il y en a une là où je suis. Il y en a au nord de Dacus. Alors, attention parce que là il va y avoir un peu de vagues quand même, hein. Un petit peu de monstres. Mais bon, je vais pouvoir en gérer un petit peu là déjà. Vu que je suis plus puissant quand je suis tout seul dans ma salle de toute façon. Fais gaffe à toi quand même. Hein. Ouais, je t'inquiète pas. Mais okay. Pour le moment, il y a que des focus cristal. Et après, c'est le mage qui m'affaiblit. Mais bon, le mage.
Il fait pas de dégâts. On a de la chance, on n'a pas des vagues très offensives honnêtement là pour le moment. Bon, ok. Ouais, donc la recherche, excusez, je vais aller voir ça. De toute façon c'est pas très grave en soi. J'hésite parce qu'on peut faire le pot. Ouais mais maintenant c'est le poté mécanique 2 alors que tout à l'heure on avait le 3. Et le générateur d'industrie manque 65 de science. On est à plus 3. S'il reste 2 salles. Ah bah c'est bon, si j'ouvre la salle ah ouais mais non on va pas ouvrir la salle gratos maintenant. Bah on l'ouvrira à la fin. La salle ouais oui. Si on ouvre la salle de Dacus, on pourra lancer la construction et après en faisant la salle gratuite ça la terminera. Ok bah on est bien. Vous êtes ready? Oui. Non mais vas-y. Ah y'en a encore. Y'en a encore au nord. Et bah oui le marchand. C'est un peu tard monsieur. C'est de la bouffe. Ah putain, il a des trucs bien. Il a des trucs super bien. Il a une arme pour moi, bordel. Je sais pas, c'est... Oh, il a le... Le Gig Eviscerator, il a le bracelet militaire, puissance 5, défense 4. Il a l'aspirateur surtout. Il a l'aspirateur, ouais, ça fait quoi déjà pickpocket? Je sais plus. Tu récupères de la brume, non? Ouais. Sur les monstres? Ouais, ouais, ouais. L'aspirateur, c'est vrai que c'est tellement puissant. Bah, l'Eviscerator aussi. La Vesper Mani, c'est celle qui. La taunt, ouais. Ouais. Qui fait le taunt. Ouais, qui fait le taunt, ouais. En fait, il a plein de trucs qui sont bien. Malheureusement, c'est de la bouffe, quoi. C'est dommage, c'est pas autre chose. L'industrie, on aurait tout pris. T'avais pas dit que t'avais un truc à revendre déjà? Ouais, 9. Ouais, ça fait pas lourd, mais c'est toujours ça. Ouais, ouais, bah je vais le revendre, hein, de toute façon. J'ai 30 de nourriture, si t'as besoin d'un peu. Moi, j'ai 35. Ouais, mais attendez, on prend quoi? Moi, je t'ai tout filé. C'est surtout ça. Combien est-ce qu'on monte? Combien est-ce qu'on monte? Bah là, moi je suis à 71 là. 71. Et après, on m'a peut-être pas tout donné non plus, mais. Non, j'ai toujours 26 en stock. Ok, J'aurais tendance à dire que la veste, c'est peut-être ce qu'il y a de plus utile. Ouais, c'est possible, hein. C'est pour qui du coup? Ce serait pour. Là, ce serait pour le chef. Ouais, c'est Nanor. C'est le meilleur tank. Hein. Ok, allez, on part sur la veste du coup. Paf! Du coup, la veste, cadeau. Je remets mon t-shirt dans l'inventaire. Ouais, bah prenez un t-shirt si vous n'avez rien, c'est mieux que rien. Je vais prendre moi, j'ai pas besoin de me déplacer. Bah, pouvoir acheter les deux, ça va être compliqué. On verra à la fin du niveau. Ouais, ouais, mais par contre, vous avez plus de bouffe, c'est moi qui ai tout récupéré là. Là, j'ai plus rien. La recherche. Ouais, ouais. J'ai entendu une voix profonde. Tout à fait, j'ai entendu ça aussi. Ok, donc on reste comme ça. Restons comme ça. Je vous rends pas de bouffe, vous restez sans bouffe. J'en ai 15, donc ça va pour l'instant. Halloween, t'en as un peu ou pas? J'ai R, littéralement. C'est ouais. 5 hein, pour soigner. Hein. Je crois. 4 pour moi. Ok. Pas la même. Je vous ordonne un peu quand même. Moi ça ira, je pourrais me soigner une fois quand t'auras passé la porte. Au cas où. Je pourrais me soigner une fois, mais je vais plus me battre en fait. Je vais juste. Allez. Ok. Ouais, ouais. C'est parti. C'est pas fini, hein, les gars. Ok, je me casse ici. Et c'est une seule vague, hein, c'est pas une multivague donc. Ouais. Tout va bien. Pareil, petite astuce pour les gens, je dis plus pour les gens qui jouent, vous voyez mon personnage, parce qu'on ne peut pas diriger le personnage dans la salle, il s'est arrêté là. Et du coup, vu que mon personnage tire dans toute la salle, vu que c'est un personnage à distance, j'aurais pu faire une tactique, c'est faire ça. Et remonter là. Ouais, il l'a pas fait là, mais des fois les personnages s'arrêtent dans les grandes salles, ils se mettent quand même au milieu, mais non, ils restent plutôt au milieu, c'est un mauvais exemple ce que je disais. Il me semblait que des fois ils s'arrêtaient pile à l'entrée de la salle. Ah, c'est peut-être quand il y a les monstres, ils s'arrêtent dès le début de la salle pour attaquer en fait. Ce qui fait que les monstres ont une plus grande distance à faire pour venir vous chercher. Dommage que t'es éteint la salle, Gelden. Non, moi je suis resté. C'est moi qui l'avais éteint. Histoire que. C'est hop. Ok, on reste comme ça. Oui. Cinq salles qui viennent vers toi d'en dessous aussi. Ouais.
Il est chaud, t'inquiète. C'est... Bah alors, dans ce cas-là, si tu veux faire ça, moi je veux bien, mais on éclaire celle qui est... On en éclaire une de moins pour nous. Mais bon... Non, bah ouais. Je l'ai rallumé. Non, effectivement, je n'avais pas compté qu'il y en avait 50. Ouais, ouais. Je suis d'accord. C'est parti. J'ai bien vu que t'étais plein d'audace, mais quand même. Ok, je reviens en arrière. J'ai... Et il reste plus que la dernière. Ça arrive. J'ai trop joué en mode trop facile. Ouais, ouais, méfie-toi. Encore qu'on est 4, ouais. Mais... Avec la seule partie qu'on ait faite en mode facile. Maintenant. Ouais, elle mais... Elle est page 9. L'avantage d'être à 4, c'est que chacun gère son perso, en fait. Donc, ça peut être un avantage aussi, quand même. C'est dur de gérer plusieurs persos qui prennent cher. Ouais, remonte à Halloween, ouais. Ouais, ils attendent là-haut. Ouais, normalement, par exemple, si je fais ça, fais voir. Il me semblait que... Ah, voilà, même mon mec... Ouais, mais non, il s'avance quand même un peu, ouais. Donc c'est un mauvais écran. Bon, cela dit... On les défonce. Bon, bah, on est bien. Et on a une salle gratos. La recherche est finie, la recherche est pas finie. Non, donc sinon j'en aurais malheureusement relancé une. De toute façon, ça va être facile, hein. Le trajet il est super court pour aller jusqu'au. Ouais, ouais, bah ouais. Putain, dirait qu'il reste qu'un tour et que du coup, si tu l'avais lancé un tour avant, on aurait eu une recherche. Ouais, mais tu vas pas le dire du coup. Mais c'est genre ce qu'a mes 10 ans. Hein. Ouais, tu serais un peu, salaud et t'es pas trop salaud toi. T'es gentil. C'est pas mon genre. Clairement, c'est pas mon genre. Ouais, on est d'accord. ouais. Bon, j'ouvre la salle du coup, la free room. Voilà, donc on génère tout et il se passe rien puisque c'était une salle où on connaissait déjà l'intérieur. De l'autre côté. Générateur 3. Est-ce que du coup. Putain, j'hésite. J'hésite à vous racketter de la bouffe pour prendre l'arme quoi. Vas-y. Je suis à 26. Ah, mais il m'en manque 13 encore. Le stuff. Bah franchement, le truc, vitesse moins 2, bon d'accord, mais 34 de puissance, 0,2 de délai, je monte 59 points de FPS, hein. Je passe à 100, quasiment 120. Mais 125, voilà. Fais-toi plaisir. Là ça va faire plaisir. Là je vais me faire plaisir. Fais ton gros tout dur. Je vous remercie les amis. Pour votre confiance. Je ne vous oublierai pas quand je serai président d'Origa. La planète. Si. Attends, ouais. Il y a déjà deux présidents ici, ça va pas le faire. C'est pas faux. Révolution. Mais bon, attendez, on sera président quand on aura atteint la sortie. Hein. On n'y est pas. Hein. Ah, on avance. On avance, étage 5. C'est déjà bien. Alors, si vous jouez en solo, je voulais. Voilà, je vais passer, mais les personnages ont une conversation dans l'ascenseur. Et si vous prenez des persos qui ont une des bonnes conversations entre eux, ils peuvent débloquer des traits passifs que vous aurez à chaque fois, qui font qu'ils ont des bonus quand ils sont ensemble. Et en plus, ça fait avancer un petit peu l'histoire, et vous débloquez, je vais vous montrer vite fait avec Échappe, l'album. Alors l'album, il est sympa, c'est pas juste des artworks, c'est globalement ça quand même. Mais vous avez des petits textes, notamment au fur et à mesure que vous rencontrez les monstres, vous avez des indices sur eux. Vous voyez, par exemple, utilise la paralysie, celui-là, donc vous savez que c'est un monstre qui va plutôt vous paralyser, etc. Voilà. Osef à fuir, quoi. Les gros, bah, c'est ceux que vous aviez vu, ils tapent fort. Ceux-là affaiblit les héros, vous voyez. Bon, voilà. Bref. C'est pour l'histoire. Allez, on va aller à droite. Oula. Et plus vous avancez dans les étages, plus vous changez de biome aussi. Hein. Un petit peu. Ça change rien, c'est que du skin, mais quand même. Allez, Galden. Je sais pas si vous pouvez le faire à deux, non. Je pense pas. Non, ça ne sert à rien. Non, mais je pense qu'en deux, on mettra un bouffe en deuxième, ouais. Peut-être. Oui. Si t'es toujours à 200 d'indus. Non, bah, respecte-moi, je suis plus à 200, je suis à 300. Oui, mais on sait jamais. Faut arrêter de faire de l'indus au départ. Eh bah, tiens, vas-y, perds un peu d'indus là. J'arrive. Tu vois, Galden, ouais, t'as gardé ton. Ouais. Alors qu'avant tu le perdais au moindre mouvement. Là ils ont été sympas, maintenant si tu sors pas de la salle. Non. On est bien là. On est pas mal, écoute, indéniablement. Allez.
Ouais, défoncé. On l'a défoncé parce que lui il a un gros stack de points de vie. Hein. Ceux-là il focus les. Les modules. Les modules. Ouais. Ouais, non mais viens, de toute façon la science c'est bien aussi. Ok, let's go à gauche. Ah, les grandes enfin, salles. Un peu de nourriture. Cristal ! Générateur d'urgence. Bof. Tu vois, j'ai ça pas peut servir de... pour la fin. Non. Ouais, quand on avancera, ça peut servir. Mais de toute façon, 62 sciences pour manger pas. Sinon, les mines laissent mort niveau 1. Voilà. Après, c'est l'usine de biomasse. Mais ça donne de l'industrie. Quand on tue des créatures. Après, c'est le holo héros. Mais je suis pas très fan du holo héros. C'est un bouclier. Ouais. Pour un reset. Soit emergency, soit générateur d'urgence, soit reset. Bah ouais, après. C'est quoi l'usine de biomasse ? C'est donne plus 1 d'industrie toutes les 6 créatures tuées divisé par le nombre de joueurs. Ouais, c'est naze. Bah ça existe aussi pour la nourriture par contre. Mais c'est mieux. C'est mieux. Allez, on va faire un petit reset. Bah il est pas fantastique hein. Fragment aux soignants éventuellement. Le module NL c'est ouais, c'est pas mal aussi. Ça devient indispensable Bah Dans les niveaux plus élevés. Ouais, on va le garder le module NL. C'est pour l'étage en plus, je me souviens plus. Oui, c'est pour l'étage. Oui, c'est pour l'étage. Donc c'est bien, c'est pour l'étage et pas la salle, c'est bien. Et bah, du coup, on l'ouvrira juste après. Enfin, on va le faire juste après. Et bah, on peut alimenter. C'est tellement rare. C'est parti pour le NAL. Oh, une autre. Ah, le fameux générateur d'industrie 4 à 100 sciences. C'est bien, mais c'est cher. Sinon, on a le Neuro 2. Mais. Ouais, garde l'Indus 4. On essaye de faire l'Indus 4. On y croit. Ouais, bah, il le faut. De toute façon. Bah, y a une solution pour faire l'Indus 4. Hein. C'est, je bulldoze ça, et puis je mets un autre truc de science. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut le bulldoze et mettre de la science, ouais. Ça sert à rien d'avoir deux cristaux de recherche, je pense. Allez, hop, on l'enlève, ça nous fait un emplacement. Ah, tu peux les supprimer, ça là. Ouais. Ah oui, tu peux les bulldozer, ouais. D'accord. Tout à fait. Et bah voilà. Maintenant, vous le savez. On part en haut ou... Bah, je sais pas, peut-être qu'on laisse Dacus tranquille, on part à droite. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, non, ce serait mieux de passer via Dacus. Comme ça, ça fait un. De la brume? Un héros pour défendre. Ouais, allez, vous avez raison. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. C'est vrai qu'on a raison. Pour une fois que le jeu est un peu généreux avec nous au niveau brume. Donc, est-ce qu'on continue à focus la science? Ou ça fait trop? Remarquez, on est à plus 20, vous êtes à plus 5 chacun? Ouais. Donc ça veut dire qu'on est à 20 par ouverture de salle? Ouais, on l'a bientôt quoi. Ok, bien joué. Allez à droite. Putain, on a plein de brume en plus quoi. Ouais. Est-ce qu'on continue par là? Ouais. 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 On n'a pas de recherche actuellement. C'est normal, on attend les 100 pour faire le Industrie 4. Ah. D'accord. Dans deux salons là. On peut le lancer. Ouf, on est pas mal, on est pas mal. Allez, encore une salle. Attends, tu veux construire ou... Je vais faire un truc. Attends, je te redonne pas mon industrie d'ailleurs. Criminel. Moi, président. J'en garderai un peu pour moi. Et celui-là, il nous a donné plus de... C'est pas mal. Ouais. Ok. Bon. Ça pas mal. T'es à 116, Daniel. Ouais, mais j'y vais. J'y vais de ce pas. Ah oui! Je mets un ou deux neurostone. Niveau 4, c'est le maximum hein, pour info. On était à 3 partout hein, quand même. Hein. Pas mal. Un seul, c'est déjà bien, hein, je trouve. Faudrait des trucs qui font des vrais dégâts aussi. Ouais! Ah, c'est sûr. Les mitrailleuses, ouais, c'est aussi, c'est pas mal. Mitrailleuses, c'est bien. Moi j'aime bien. Bah elle chauffe, c'est ça le problème, mais par contre ça fait vraiment du dégât quoi. Mais par contre elle chauffe.
On tourne pas la Tesla, nous, en général. C'est pas mal aussi. Allez, let's go. Ce qui est marrant, c'est la combinaison Neurostun et... Et c'est Blaster, les trucs qui... Les C-Blasters, ceux qui utilisent la science, non? Ceux qui utilisent la science à chaque attaque, ouais. C'est les trucs qui font des dégâts de zone, à côté. Ouais, les laisse-morts ou les trucs comme ça, ouais. Bah replie-toi à la salle de... Ouais, je leur faisais un peu de dégâts tant que possible. Voilà, au revoir. J'ai une nouvelle compétence générale en fauteuil. Héros l'étage, puissance plus 40 si ce héros est dans une salle sans créature. Oui. Voilà. Mais ça c'est bien. Ah bon? Si tu te bats pas, tous les autres... Toi, ouais c'est ça. C'est ça. En gros comme toi, faut que toi tu sois dans une salle où t'es tout seul. Et tu nous boostes nous en fait. Oui. Donc en gros là dans la position actuelle, tu nous boostes par exemple. Ouais mais c'est une compétence donc c'est... Mais c'est... s'il y a pas de créature, et du coup... Pas de créature dans ta salle seulement. Oui. Ah d'accord, si c'est moi qui ai pas de... Ouais. En gros dans cette position là, s'il y avait des créatures dans la salle où il y a Gel'dan et Halloween, ils ont plus 40. Et moi aussi d'ailleurs. Ouais d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, ok d'accord, très bien. Ouais ça... c'est un solitaire aussi à sa façon lui. Ouais. On a l'industrie 4. Pas exactement celui dont on a le plus besoin mais... Et on a une radio PV max moins 100 puissance 12. Voilà. Je sais pas si je la prends moi à la place du gant de cuisine, mais c'est quand même PV 100, moins 100. Hein. Ouais. Vous avez pas l'air de vous jeter dessus hein, d'ailleurs. Non, PV moins 100, ça fait mal au derche quand même. Moi j'ai 600 de base donc. 675 moi. J'ai 820. Calmez-vous. D'ailleurs, je peux level up, je vais le faire et je peux réparer, ça ne sert à rien. J'ai 820 parce que j'ai plus 90. Tiens, moi aussi je peux level up. Mais... Du coup, j'ai. Double... Bon, je suis passé à 715, allez, je vais le prendre. En vrai, tu peux le prendre, hein, je pense. Ouais, je l'ai pris. Comme je provoque les mobs. Et personne n'a une place pour mettre un gant de cuisine, non? Si, j'ai de la place, moi. Moi, je peux en tuer. Prenez, hein. Que... Mais bon, vu que je suis à l'arrière, là, je sers à rien. J'ai remis le mécompte de fée d'Acus. Est-ce que si tu le. Mettre à cœur. Ouais, ça me donnerait un truc. Parce qu'en fait, le mettre à cœur, je viens de le débloquer en passif. Ok, bah je vais le prendre alors. Ah bah oui, du coup, ça, effectivement, c'est plus très utile. Et j'ai vu, ça change rien sur la quantité de bouffe que je génère. Donc, je vais prendre le banc de cuisine. Voilà, allez, parfait. C'est parti. Ouais, un DPS de 39, ça défonce tout. Oh, je suis que à 133. Allez hop, let's go. 29, tu peux pas test. Ah ouais. Ok, on a de la vague. Je reviens. Donc Ken Masoki est à 800. Ah oui, par contre lui il va focus le truc. Non c'est bon, je le défonce. Non mais il va pas focus. Ah si, il focus le truc de science. Ils sont en train de le défoncer. Ouf! Ah ouf, regarde où il en est le truc de science. C'est vrai. Nickel. Dans ce cas-là, Halloween, il faudrait que tu y ailles puisque comme toi t'as le. Ouais, mais le problème c'est qu'ils me suivront pas dans l'autre pièce en fait. Non, mais ils te focuseront toi plutôt que de focus. Oui. Écoute, je sais bien, mais. Enfin, ils sont nombreux, je vais mourir. Écoute, j'ai un petit problème. Ça peut permettre de temporiser. Alors, si vous voulez, en objet, j'ai mis dans l'inventaire, c'est le HGTTG, ça donne astuce plus 1, et celui qui le met donne plus 2 d'astuce à tous les héros de l'étage. Et ça déverrouille savoir c'est bien. Bah c'est ça, c'est le savoir c'est bien, c'est ça, c'est plus 2 d'astuce à tous les héros. Bisous le signe, merci d'être passé. Tchou. Je l'ai mis, comme ça vous avez tous les deux plus 2 en astuce. De toute façon, j'ai pas besoin de ma flotte déshydratée, mais il y a la flotte déshydratée ici. Si personne la veut, juste au moins qu'on la mette dans le sac à dos, pour pas la perdre. Non. Vas-y, ouais, sac à dos. Allez, sac à dos, c'est parti. Dora l'exploratrice. Ouais. Recherche. Ah, oui, c'est vrai. Appelez-moi Dora.
C'est vrai que j'ai ça, du coup je peux nous faire générer de la brume. Alors juste... Oui. Juste pour essayer, comme on déborde un peu d'industrie, si tu mets des potes mécaniques sur les salles où il y a des modules majeurs, est-ce que ça vaudrait pas le coup, typiquement la bouffe ou la science, histoire que ce soit opéré, voir si on gagne quelque chose. Je peux débloquer les potes mécaniques 2 d'ailleurs si vous voulez. Il suffit que j'en mette un pour avoir plus un sur chaque module, je crois. Ou du Tesla, hein, c'est comme vous voulez. Alors là, ça a pas changé. Si t'en mets un autre, ouais. Est-ce qu'il faut pas attendre l'ouverture, enfin qu'ils font pas comme nous ? Il me semble pas. Ok. Bah, ces deux-là sont manipulés déjà. Comme vous voulez, soit je mets du mécanique 2, ça les améliore, ça passe à 1,5 d'astuce par pote. Ou le Tesla. Ouais, Tesla, je dirais. C'est vrai qu'on n'a pas trop de trucs offensifs. À part les piou-piou. C'est pour la bouffe. Si vous êtes deux à manipuler la bouffe, plus un pote mécanique sur un autre module, on a plus ça en bouffe. Ouais. Ok. Eh ben. C'est bon, je peux ouvrir ? Ouais, vas-y. Oui. C'est-y par. Ah ben, c'est un cul-de-sac. Ah non, c'est une sortie. Ouais, un cul-de-sac utile. Romance, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Exactement. Baisse le truc de science en danger. On n'a vers 15 salles, à mon avis, il faut plus faire de majeur. Non, ou alors si on en fait un, c'est vraiment un hall, mais est-ce qu'on en a besoin? Je suis pas sûr. Non, pas dans les médias. Ok. Vas-y. Je peux y aller? Allez. Allez. Ouais, c'est bon. Ils ont pas pété le répliquette. Oh putain! Oula. Ouais, hop. J'active le dégât. Ouais. Oh la technique! Regardez ça, regardez la technique! D'Halloween, elle est magnifique. Et c'est voilà. Qu'on joue au jeu apparemment. Get wrecked. C'était magnifique. Il y a de la technique de PGM là. Ah ouais. Ah bah Halloween, il est bon. Y a pas à chier. le jeu, on l'a poncé aussi. On l'avait bien poncé, ouais, c'est clair. Mais on aime y revenir. La preuve, on y est. Et cela en plus c'est bien pour péter les gros trucs. Aimez-vous les gros là. Voilà. J'essaye. J'adore. Ça, c'est pas du PGM, franchement. Pourquoi il fait pas demi-tour cet abruti? ce qui est ouf, c'est que même les trucs qui ne focus que le cristal. Ouais, c'est pour ça que le taunt c'est OP comme compétence en fait. C'est clair. Bon, et comme d'hab, hein, quand je fais un live, j'oublie complètement de faire des coupures de son VOD pour faire des épisodes YouTube. Bon, bah, tant pis, hein. Ah là. Et salut YouTube. Recherche. Ouais. C'est bon, ça fera juste YouTube, un épisode d'une heure 20. C'est pas grand chose. Ouais, attends, c'est pas fini. Créateur de science 4. Allez. Ah. Ça m'a l'air solide, y'a quoi d'autre? Bon. Bah, générateur de champ de brume, c'est bien aussi. Module laser 2, neuro 2. En plus, t'as 109 de science. Ah, c'est comme vous voulez, hein, si... Si vous voulez la science, moi je peux. Hein. Je vote pour science 4. Eh ben, allons-y pour science 4. On est gourmand. Gourmande. Oh oui. C'est parti. Bon. Sauf que là, comme ça va pop. Ah, un marchand. Eh ben, de la science. Y'a personne qui prend des épées par hasard?
Si. Le chef Nanor. Alors, la tataneuse en bleu. Bah, tu peux. Je sais pas si tu regardes Twitch, mais tu vas peut-être le voir. C'est vrai que je peux faire ça. Ouais, tu peux. Tu peux regarder mon écran. Elle est pas ouf, la tataneuse. Bah, t'as le délai 0-2. Hein. De toute façon, je. Enfin, je tape pas en fait. Bah, très peu. Je prends pas le temps de taper. Après, il y a lui. Mais bon. Non, parce que j'ai la veste Armani déjà. Ouais. Bon, bah voilà. Ouais, je peux lui vendre ça pour 21, mais pour de la science. Ouf. Ouais, non. Non, on est d'accord. Hein. Ouais. Bon, et ben on continue. Et on finit même. Petit item. Ça pop. Ouais, je gère ce qui est là, moi, par contre. Ok. J'arrive, chef. On n'a pas besoin de rester de... Non, oui, on peut tous aller t'aider, en fait. Je crois qu'ils ont nerf le jeu, j'ai l'impression que si tu fais un gauche-droit trop rapide, maintenant, il... Non, ça continue. Ok, bah on est bien. Et bah voilà, on est parfait. Alors, où est le cristal? Il est là. Ça, on en a besoin, on peut mettre ça. Donc j'ai un cure-dent bleu, hein, je vais le garder au cas où qu'on ait un marchand avec de la bouffe un jour, par exemple. Ouais, c'est bon, court comme ça, hein, madame Nada. Oui, pardon. Ça, hein. Ouais, ouais. Oh oui, on est bien là. Bisous. Ah, et si je ferai... 154 d'industrie, c'est honteux. Ouais. T'as cramé un peu là. On m'a accusé de faire de la rétention. Hop là. C'est vrai, c'est quand même plus facile à 4. Hein, ah, c'est plus sympa. Puis en plus, il y a plus de cerveau et tout. Et puis c'est surtout que tu gères qu'un perso, quoi. Donc tu peux bien le gérer. Voilà. T'es pas obligé de mettre pause tout le temps là pour dire oh là là, c'est la merde. On met jamais pause avec Halloween quand on joue à deux. Bah, s'il y a un truc qu'on fait pas, c'est mettre pause. Jamais. De toute façon, on peut pas mettre pause. Si. Quand tu joues solo. Ah non, tu peux pas en sécu. Non, tu peux pas en multi, c'est vrai. Non, tu peux pas. C'est pour ça qu'on le fait pas. Voilà. En vrai. Tout simplement. Mais quand t'es solo, bon bah t'as pas trop de choix en fait. Ouais, solo c'est chaud. Ouais, qu'il est gros, qu'il est beau. Le lavabo. Non, le module. La merde. C'est vraiment de la merde, ouais. C'est mieux. Pas de bruit. Ah ouais. Putain, l'enfer. C'est parti. Oh, celle-là, elle est bien. Oh, c'est quoi ces mobs-là? Je sais pas, mais ils sont rapides. Pourquoi m'ignore? Putain, il nous manque un de brume! Quel enfer! Pourtant, j'ai activé ma compétence, quoi. Ah, j'ai activé la mienne aussi. Bon. Module 3, Neuro 2, pote mécanique 2, générateur d'urgence. Ah, j'aurais pu mettre bouffant. J'ai oublié de te filer l'industrie. Je vote pour Neurosten, moi. Ok. C'est vrai. C'est parti pour Neurosten. On avance encore d'un et puis je ferai une stale de défense ici, je pense. Ok, je continue à droite. Ok. C'est belle, elle sera belle. Du coup, l'objet que t'as pas vendu, tu l'as mis dans ton sac à dos ou tu l'as laissé dans l'inventaire? Non, toujours dans mon sac à dos. Okay. Ah, on a du marchand. Plus d'industrie, enfin plus de brume. On va se mettre un marché, mon gars. Ah bah oui, obligé là. Donc là on a un sabre allégé, je vous laisse regarder sur mon truc. Donc on a un gant de cuisine vert, bon pas voilà. On a un sabre allégé, donc là c'est une arme pour toi, même si tu te bats pas trop, mais quand même. On a un engin industriel. Ah non, ça, c'est bien. Ce sabre là est bien. Bah je trouve aussi, hein. Je peux te filer hein, si t'en veux hein, du coup. L'écharpe de Easter aussi qui donne la même chose que tu avais toi. Mmh. Et le kit de secours. Rigolo, mais tu veux de la science du coup? Il me faudrait 40.
Ah oui, je vous donne pas. Je vais encore te donner. Voilà. Bah ouais, que t'es une arme quand même, parce que bon. Bah puis elle donne de la défense en fait. En plus. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Et je te rends... le surplus. Très bien. Bah dès qu'on pourra éclairer la salle, la grande salle. Ok, bon bah let's go. On va partir par là. Ah ouais, on va peut-être de la baume dedans. Bien sûr que non. Il y a des monstres. Oui. Oula. Venez par là-haut. J'ai l'impression qu'il focus le cristal, ils me disent rien ces petits trucs là. C'est nouveau hein. Bah je sais pas d'où ça sort ouais, j'avoue. Bon, j'ai bougé pour rien. Bah après ouais. Ouais, je on est triste. C'est pas grave, ouais. RT, si t'es triste. Ouais, n'y retourne pas, c'est pas la peine. De toute façon, je suis sûr qu'on va avoir de la brume dans celle-là. Allez, regarde. Regarde. Hein. Voilà. Il suffit d'y penser très fort et puis ça arrive. Je pense que là, il va faire du nerf au sol à gogo. Il explose cela, non? Oui, il est de mémoire, ouais. C'est des. Kamikazes, effectivement. Voilà. Qui a le plus d'intelligence entre vous deux, d'astuces? Moi j'ai 12. J'ai 17. Walou. Ça change rien en fait, parce que c'est par tranche de 10. J'ai 5. Oui. Eh ben, je peux mettre des potes mécaniques hein, s'il y a que ça. Oh mais là il faut de la défense aussi. C'est vrai. Ouais mais un peu de mécanique. Sur la science, c'est pas mal, mais... Là je suis sur la science mais je vais essayer d'en boucher dès qu'on aura. J'ai de la lacryme. On peut rechercher la lacrymo aussi hein, si vous voulez. Hein. Ouais, bon, bref. C'est quand même pas mal hein. Pas tant pour les dégâts mais la division des défenses. Moi je prends. Allez moi je décide je prends. C'est cela. Ah c'est bien ça. Oui on a appris un truc d'attaque ouais, pour changer un peu. Allez, des petits modules Tesla. Ah, tu passes quand même alors 18 techniquement, puisque c'est 9 avec un DLB 05. À 35 quoi, tu doubles le DPS. Tu doubles le prix aussi. Eh oui, c'est vrai. Bon, bah du coup, on reste là comme des connards et. C'est parti! On aime être des canards. Comme des canards. Ils attaquent la rochette. Il va y avoir du monde là. On va gagner de la brume aussi, mais. Ouais, même pas tant que ça. Non. Il peut rien faire. Il faudrait un truc avec un module majeur. Bien, mon gars. Oui. Que c'est la peine. Pas faire celle du bas. Ok. Comme ça, j'ai une salle safe où il n'y a pas de vague pour faire mes allers-retours. C'est bien. Tu prends, tu gères. Et moi, je continue. Et toi, t'as fait quoi hier soir? Tu fais des allers. On a la sortie et on a de la brume et on n'a pas de vague. Et on a de la recherche à faire, non? Pas encore. Non, pas encore. Donc, choisissez où vous voulez éclairer. Moi je voulais pas. Je te propose d'ouvrir une porte à gauche. On éclaire. Là-bas? Ouais. On garde ici avec le marchand aux salles de défense. Ok. Ouais, valide. Allez. Je vais venir te filer un coup de main si tu veux. Oh, ça devrait aller hein. Ah, on peut plus manipuler. 3 tours. Oh. Bah, au moins on va combattre. Grave. C'est pas grave. Ouais. On va combattre quand même. Faire de la brume toujours. Je continue à gauche du coup. On a encore de quoi éclairer une salle alors. Ouais, dans une de plus hein. Super. Allez. Bah tiens. Ouf. Ah parfait. C'est bien en plus, je suis bien rapide. Je peux bien vous rejoindre vite, même si ça sert à rien mais. Ah quoi que. Quoique,
nouvelle image. Ouais, je déverrouille une image aussi. Pareil. Yav, en brume. J'ai une force. Alors, je vais aller voir vite fait l'image. Par curiosité. Ouais. Comment tu sais celle qui vient d'être débloquée? Elle apparaît devant tes yeux. Ah, oh, c'est la toute dernière. Oh, c'est marrant d'ailleurs. Ouais. Parce que. Enfin, moi, ça a été la toute dernière en tout cas. Je continue à gauche. Ouais, je... Ah, bah oui, c'est justement sur les. Sur les boules vertes là. Ah bon? Ouais. C'est vrai que plus tard j'ai trouvé des objets, je vous l'ai même pas dit, mais bon. Non mais... Bon, oh, c'était pas... Ceux qui font la rétention d'industrie, ceux qui font la rétention. C'est pas faux. Une grande lampe, on pourra peut-être faire une recherche. Je crois qu'on pouvait le faire autour d'avant, mais j'ai pas fait gaffe. Nourriture 4. Yes. Ah bah oui. Prochain tour, on peut manipuler. Alors, en objet, regarde ça, Dacus. Et en plus il est gris quoi. Puissance 30, oui. En plus il est gris. C'est-à-dire quoi, et, putain, s'il était bleu ou autre. Et après c'est des objets. J'ai trouvé une queue de billard qui est mieux que la cure-dent, mais ça reste de la lance, on en a pas. Ouais mais le 6 coups réduit mon délai donc Donc c'est moins bien. Il faut que tu regardes au niveau du DPS ce que ça donne. Non, réduire le délai c'est une bonne chose. Ouais. Oui. Non mais. Oui mais faut comparer en fait qu'est-ce qui est le plus intéressant. Ça me donne plus de DPS. Eh ben, la méga graffeuse. Bah prend plus de DPS je dirais. Ouais. Je dirais pareil. Bon. Ok. On continue à gauche du coup. Ça vous va comme ça. Attends, faut qu'on se place pour pouvoir manipuler maintenant. Un tour encore. Encore un tour. Ok. À moins que ça s'active direct non. Quand vous êtes en place. Ça disparaît dès que tu ouvres la porte en fait. Donc ça compte. Ouais, mais ça va pas compter du coup. Je sais pas. Bah, du coup, je me mets en place. Si ouais, je vois que... on va tester. Allez, let's go. On ouvre. Ouais. Un objet encore. Si, on est à plus de brume. Ok. Eh bah, nickel, j'ai trouvé une radio verte. Sur la science, elle n'a rien fait. Je vous laisse prendre la radio qui est dans l'inventaire, j'ai plus de place dans le sac à dos, donc c'est juste qu'on la perde pas, voilà. Sur, selon le marchand, ça pourra nous apporter de la bouffe ou autre. Comment ça mon... Ah, ça y est, on a retrouvé un bug. Ah ouais. Mon backpack est full, apparemment. Oui. Pareil. J'ai rien dedans. C'est peut-être parce qu'il y en a un qui l'a de complet, donc ça, c'est complet pour tout le monde. Vas-y, j'ai enlevé un truc pour voir. Ah ouais, c'est bon. Et donc ça le bug. Oh putain, il y a quelqu'un qui est malin ici. Et putain ouais. Ouais, ouais. Des buggers professionnels. En fait, si quelqu'un a son sac à dos plein, il est plein pour tout le monde. Ouais, c'est bizarre mais ouais. Vraiment. Très bien. Bon bah on continue. Et... ça c'est pas ouf. Est-ce que de la nourriture. On est à la recherche encore une porte, je pense. Oui. Peut-être plutôt aller manipuler la nourriture, moi plutôt que la science. Tu peux. On a 22 de science, hein, c'est pas énorme. Moi, ce que vous m'en donniez pas, mais. Non, moi, si. Moi, je donne. Bon, on a plus que 22 en science, donc tu sais, dans un sens. Bon, bah écoute, pour l'instant, je vais rester sur la science. Mais ouf, ouais, mais la science donne. Bon, après, on va avoir tous les modules niveau 4, hein, là, autour d'après. Dès qu'on a fini l'applicateur de bouffe, on passe à plus 5 en. Ouais, regarde, attends, regarde. Hop. Ça va, on va avoir un bon boost là. Ou pas. Ou pas. Même pas. C'est triste. Défense. Ouais, pas mal l'objet là. Enfin, pas mal. Je l'ai mis dans l'inventaire, mais. Ah, pardon. Vous êtes un. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Je m'ennuie de mon côté, c'est pour ça. Voilà un petit level up parce que pourquoi pas. Donc ouais je vous ai mis un petit objet qui vous donne des PV, de la défense et de la régénération. Pas mal de régénération d'ailleurs, 7 c'est pas mal. Mais du coup c'est chelou parce qu'on a deux générateurs d'industrie et on est à plus 5 et deux générateurs de bouffe et on est à plus 4. Ouais. J'avoue que...
Oui, non, fallait pas ouvrir la porte là-bas, du coup. Bon, pas grave. J'ai pas ouvert ? Si ? Non ? Si ? Bah, la dernière que t'as ouverte, en fait. Fallait pas ? Ok, ça fera la... C'est bon, c'est bon. Ouais, parce qu'on avait plus de brume pour allumer les trucs. C'est réglé, c'est réglé. Est-ce que vous voulez les potes mécaniques 2 ? Ça pourrait aider. Ça peut être une idée. Sinon, c'est le Lacrymo 3 aussi, hein, qui divise encore plus la défense des créatures. Le Mindless Mort qui fait du dégât de zone. Non, mais je pense pote mécanique. Halloween, ce qui est en inventaire partagé, ça t'intéresse ou tu veux que je prenne? Défense plus régène. Je peux le prendre, c'est pas mal. Par contre, j'ai ça moi. Donne de l'astuce à tout le monde. Ouais, mais je pense que ça change rien. Ok, bah je veux bien. Pour le moment, ça change rien. Quelqu'un le prend dans son sac à dos quand même, ça fait un objet. Je continue à gauche ou je fais quoi du coup? Je pense que la porte d'au-dessus va ramener à l'étage au-dessus, enfin à la porte qui est au-dessus de nous. Ouais, bah ça va se faire en deux portes, je pense. Du coup, tu peux y aller, tu peux continuer au-dessus de nous là. L'idée est de continuer à faire venir des vagues ici en fait pour. Ouais, ouais. Pour ah, bah même pas. Même pas, ouais. Ouais, bah défense 0 et régénération plus 20 pour les modules. Ça inc. Ouais. Attaquer Macron. Propre. Nickel. Du coup, on peut éclairer une salle à gauche. Je continue à gauche, du coup. Bah. Ouais. Bah, bon, ouais, je pense, oui. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités après. Non. Ouf, il y a du monde. Il y a du monde, mais c'est juste un peu plus que le cristal quasiment. Donc... Je gère, hein, moi. Ouais, ouais. C'est bon, ma vague est morte. Quelle puissance. Ouais, j'avais activé mon pouvoir, hein, mais. Ouf. Valeur de Nanor. Bah, le problème, c'est que. Non, je m'approche pas de cela. Non, ouais, c'est pas. C'est une bonne idée de pas s'approcher d'eux. C'est que comme j'avais dû éteindre la salle en bas, il y avait des mobs dedans. Ok, parfait. Bon, bah, encore une salle en bas. Je pense que c'est la dernière de ce côté. Attends, avant de. Ah, pardon, excuse. On va dire que c'est le lag. Ouais. SS. Ah, je t'aurais fait une salle de défense en fait. Ink. De toute façon, voilà, c'était la dernière. Bien. J'ai activé le NAL 2, on pouvait rechercher. Ah, les archers, ils m'attaquent. Ah ouais, les salauds. Attends, j'arrive. Je crois qu'il y en a plus. Okay. Voilà, de la brume en plus, c'est bien, c'est ça. Clair. On est gavé, quoi. On a deux cristaux de recherche en plus, mais bon, après, c'est que je vais commencer à manquer. Un petit neuro 3 ouais. Ou un robot tir suppressif, ça me donne de la puissance, c'est comme vous voulez. Mais bon. Il est que 1. Allez, un neuro 3. Un neuro 3, ouais. C'est la vie. Plus intéressant, je pense. Bon. C'est bon, je peux ouvrir ? Oui. Eh bien. On a des objets, hein. Kit de premier soin, je vous le donne. Du coup, qu'elle mettez-le dans votre inventaire si vous en avez pas besoin. Enfin, après, hein, bien sûr, après la vague. Je vais le prendre moi, ça aidera. Ça aidera notre chef. Nos soucis. Ça te donne deux régimes de PV. Cool, c'est cool. C'est vrai que je suis à 17. En bas. Ça, plus le. Plus l'objet que t'as récupéré tout à l'heure, ça. Je vais pas dire que je peux plus mourir parce que c'est comme ça qu'on se fait tuer. Ouais, non, c'est clair. Allez, dernière porte. Ah, d'accord. Encore un objet. Ça, je crois que c'est utile, ça. Vitesse 5, combinaison de saut orange, défense 21. Parfait pour porter un cristal, quoi. Ou pour quelqu'un d'autre, hein, si quelqu'un le veut. Après, s'il a rien, vaut mieux quelqu'un qui l'utilise. Ou à la limite, attendez.
Moi j'ai rien, mais bon, je prendrai le tutu. Tiens, prendre le tutu, ouais, c'est ça, exactement. Un morbiche, le morbiche rapide. Attention. Bon, bah on peut se barrer. Ouais, ouais. On peut même faire les bourgeois et... C'est beaucoup de bourgeoisie quand même, on va peut-être pas éclairer la... Oh là, d'accord, ok. Non, non, regarde, hop, c'est bon. Quel criminel. Écoute, je venais d'éteindre une salle. Vous voulez qu'on tente le 1 minute? C'est jouable, hein. Là, on le fera. Je sais pas, je pense que ça va être chaud, hein. On va voir. Non. Ils vont être salement ralentis à la salle avec le Neurostone, mais... Bah, y a... c'est surtout que a... je regarde les vagues, à part les petits blobs verts, là. La minute, elle sera vite atteinte. Ouais. Ouais, attends. Je l'ai peut-être déjà le succès, j'en sais rien, mais pour ceux qui l'ont pas. Ouais, je suis presque sûr qu'on l'a déjà fait le succès. Moi, je l'ai déjà. Je sais pas. J'en sais rien. Bah, écoutez, on va voir. J'ai pas mis mon chrono. Ouais, une heure après. Bon, et vous êtes sûr qu'on peut pas y aller là? On va attendre de voir. S'il se passe rien, on s'en ira. Bah, c'est voilà. Surtout que ça va commencer à arriver vite en fait. C'est vrai. Ils ont passé cette salle-là. C'est pas grave, on va dire que ça montre aux gens un peu voilà ce qui est capable d'arriver sur le long terme. Ah, c'est con, y en a un qui est pas mort alors que. Ah, bah voilà. Ah oui, y en a qui explosent. Ah oui, bah oui, non, les explosions, c'est pas. On va faire de la salle de défense en fait. Oui, non, c'est. Y'a moyen. Voilà, la minute elle est déjà passée en fait. Ouais, donc on l'a tous. Je pense. Elle est passée la minute, on est sûr de ça? Ah, info de chat ça. C'est que les petits cristaux au départ. Façon, oui, là, oui, c'est pour ça que j'attends. Là, on est tranquille encore. C'est pas comme si on pouvait pas tuer les petits cristaux. Hein. Ouais, et puis ils sont déjà bien descendus en point de vie. Hein. Puis là, ça arrive, c'est stagger, du coup. Non, pas de soucis. Ouais, mais là, maintenant, c'est sûr qu'on a la minute. Hein. Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'on l'a tous en fait. Oui. Allez, on s'en va? Allez, zo. 3. Ah, attends, on va finir la petite vague qui est là pour l'honneur. Tu veux faire on le est bien. Ouais, non, c'est bon. 5 minutes. 15 minutes. Écoutez, 22h50, je vous propose. Allez, si vous voulez un dernier étage. Et puis. Moi, c'est bon. Et on reprendra ça. Allez savoir quand. Un jour, peut-être. La seule chose qui m'inquiète toujours avec ce jeu, c'est de pas perdre les sauvegardes, parce que putain, elle crève facilement les sauvegardes dans ce jeu. Normalement, si j'y touche pas, y a pas de raison. Hein. C'est vrai qu'il y a pas de raison, mais. Mais on a déjà vu des sauvegardes disparaître. Allez, un petit tour de chaque côté, on va à gauche. Premier choix, il est bien. Je te redonne l'industrie, pardon. C'est bon, on va au nord. Parfait. Ah. Attention, plus de défense, les gars. Ouf. Ouais, pendant 5 tours. Ouais. Ça devrait aller. C'est pas toi qui fais focus par les mobs, hein. C'est clair. Attention. Ah. Pas de brume. On aurait peut-être dû te suivre dans la salle. Ouais. Ils ignorent les gens, mais. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Et un problème de régler. Parfait. Bon, et ben. On continue vers le sud du coup. Comme tu veux. Ah ouais. Bah si, parce que y'a pas un bonus quand t'es là toi. T'as pas un passif. Non. Si, moi je dois avoir des passifs quand il y a des choses. Ouais, je dois avoir des trucs, ouais. Très concerné. Moi j'ai 10% de défense si j'ai confiance en mon groupe. Ouais, parfait. J'ai mis ça, du coup je vais mettre ça. Bah, du coup, la bouffe on est à plus 5 là. Alors que t'as, on était à plus 4. Bah parce que là je suis en train de manipuler de la bouffe. Oui, parce que Mormiche manipule. Ah oui, très bien. Bon, bah let's go. Alors qu'en Mobus on est qu'à plus 4. Parce que tu manipules moins bien. Ah oh, putain, la même. La même stèle que tout à l'heure. Putain, ils nous ont. Mais on l'a deux fois. On l'a deux fois. Du coup on est à. Non, on est négatif, c'est bon.
On est à beaucoup de vitesse par contre. Ouais, c'est clair. Ça va... 37 de vitesse. Ça va s'arrêter là. J'ai pas regardé à combien j'étais, mais. Générateur d'urgence, Tesla 3. Ouais, Tesla 3, c'est bien. Tesla 3, c'est solide. Et on a fini pour ici. Créateur de science là-haut. Mais bon, on va aller là-haut, tiens. Puisque tu parles de là-haut. Ouais. Je t'attends. Là-haut. Tout est neuf et tout est sauvage. C'est soirée Dungeon of the Karaoke. Oh, un petit chanteur de comptoir violet qui rajoute agitateur. C'est en lien avec le karaoké, je pense. C'est totalement en lien avec le karaoké, chanteur de comptoir. Ça te va tellement bien, Halloween. C'est super en plus l'effet agitateur, je crois. Déjà, on avait regardé. Défense plus 7 pour les héros dans la salle. Ah ouais, pas mal. Voilà. Ah, surtout quand on est à 0 à cause de la stèle. Mais bon, qui va le prendre, quoi? La question est là. C'est mis dans mon inventaire, écoute. On a déjà beaucoup de trucs. Ouais, on est bien gavé, ouais, putain, c'est clair. Allez. S'il y a un marchand de bouffe, je peux vous dire que. Ok. Tu veux mettre quelque chose ? Ouais. Enfin, science, on a 92 là. Yes, j'ai pu prendre mon niveau. Non, je peux réparer. Parlant de ça, ouais, c'est encore en recherche en bas. C'est bon, dans cette salle là, tu mets rien ? Bah c'est pas alimenté, bon, je veux bien mettre des trucs mais c'est pas alimenté. Ouais bah c'est bon, hein, ok. je suis d'accord qu'elle est très claire pour une salle d'un. Oui c'est ça, m'a perturbé. Oh, un marchand à l'industrie du coup. Il y a un t-shirt violet. Je vais tout acheter. Ouais mais il y a pas grand chose en fait, c'est ça qui est triste. Une mitrailleuse à 48 de puissance, moins 1 d'attaque cooldown, t-shirt violet. Ça pourrait être bien par contre pour. Bah, il utilise pas trop, mais Gelden il a pas de mitraillette. Il faudrait une bonne salle. Mais moi je peux pas lui acheter, c'est de l'industrie donc. Dans un tour, on aura une pièce en bas qui va se libérer. Au-dessus de la recherche. Bon, après t'en as pas besoin là tout de suite, mais. Non, mais. Ouais, je te propose que dans un tour, du coup, on fasse ça et Mormiche, tu descendes sur la. Ouais. Sur le marché. Et du coup, je pourrais blinder de potes mécaniques. Okay. Allez, je vais aller voir le cristal du coup. Oui, Gaden ? Non, sinon, là où est Halloween. C'est pas éclairé ? Oui, c'est pas... quand ce sera éclairé. Ah oui. Oui. Pote mécanique 3 ? Bah, mécanique. Ouais. J'arrive. Qu'est-ce que je cours vite ? Sacré Ken. Impressionnant. Ah bah, monsieur Masoki, hein. Allez. Ok, on va battre. Ah. Faut faire attention, il est de marchand. Du coup le mieux c'est plutôt de le mettre en haut. Non, je pense. Tiens, on a une salle de plus. Ouais. On met le marchand en sécurité en bas, hein, je pense. Ok. Avec Mormiche et trois potes mécaniques. Bon allez. Et on joue. Je vais remonter, tu m'installes. Et en plus, ils vont être améliorés les potes mécaniques après donc. Ouais, comme ça, ils manipulent déjà eux-mêmes tout seuls les potes mécaniques. Plus toi, plus après niveau 3, bon, y'a moyen. Un peu d'industrie, salle de défense. Oh putain, mais ça me fait passer de 35 à 86 en DPS. Je veux bien 54 de. D'industrie. 54, j'ai plus 49. Ah bah ouais, hein. Ça descend vite, hein. Les potes mécaniques, ils coûtent 15, hein. Dans le mètre 3, c'est... Gelden, c'est ça? Non, mais sinon tu dois... Bah sinon, finissons l'étage et on verra, ça se trouve, on va en trouver une avec un peu de chance. Qui sait? Sinon, on vend des trucs. Ah oui, par contre, je peux vendre des trucs, hein. Ça, oui, hein. Attendez. Bougez pas. Non. Bah, qui c'est qui y est? Tiens, si, bah tiens, Gelden, attends. Hop, je vais t'envoyer les... Je vous mets les objets, voilà, qui me servent à rien, et fais-toi plaisir, ouais. Comme ça. Enlève ton Lacus. A, et fais-toi plaisir. C'est déjà Lacus, fait. Le 6 coups violet, il est pas mieux que ce que t'as. Bah il met moins, je perds 5 en DPS. D'accord. Ouais, là t'as 30 de puissance, c'est mieux que le 6 coups. Okay. Après le 6 coups c'est celui de base, hein, faut dire aussi. Oui, de toute façon le marché il est redescendu là-bas, donc si vous voulez vendre des trucs... Fais-toi plaisir, vas-y. Acheter...
Ah putain, c'était 54. Putain, ça se revend que dalle le 6 coups. Pour dire que c'est un objet violet. Ah bah oui, ça se revend que dalle, ça par contre, je suis d'accord. Bon, j'ai juste acheté ce dont j'avais besoin pour un... C'est marrant, il y a plus que nous sur le live. Après, on s'en fout, on joue pour nous d'abord. Bah oui. Voilà. On est salauds d'individualistes. Tiens, Damnet, tu peux reprendre. Ouais, je reprends un peu, je vous en laisse, j'en prends que 3, du coup, je mets pas le sac à dos complet, sinon ça va faire bugger. Je vous laisse reprendre le gant. Voilà. Ok, bon. Par contre, je me traîne, moi. C'est parti. C'est parti. Ah, et plus 3 de bruit. Ah ouais, plus 3, ça commence à être sérieux, là. Et attends, on n'a pas les potes mécaniques qui sont améliorés? Ah oui. Wow, oui. Ça va peut-être changer encore un peu. Il va peut-être passer à plus 4. Hein. Bah non. Ok, vas-y, je te laisse si tu veux prendre de la boubouffe. Halloween, dans la dernière salle. Ah oui, d'accord, c'est que ça s'affichait pas sur la map. Donc en fait, ça c'est toujours de la bouffe s'il n'y a pas d'emplacement de personnage. D'accord, je savais pas ça. Peut-être. Ok, ma gueule. Là, c'était les deux. Écoute, il y a les deux, la bouffe et un personnage. Ah bon, c'est qui ça? C'est Gork, oui. Ouais. Recherche. Bien sûr. Heureusement que t'es rapide. Ah oh, putain, c'est clair. Non, parce que le problème de cette salle-là, elle me plaît pas. Il y a que 3 emplacements de. Ah, il y a Poslo. Il y a toujours Poslo. Excusez-moi. On a l'aide-soignant militaire. Putain, la vache, rajoute 2% de défense à tous les héros et aux PNJ. Ouais, enfin 2%, c'est pas ouf. Ah putain, non. Gaz poivré 1, Seb Blaster 1 et le robot de tir suppressif. On va prendre le tir suppressif. Ça ajoute de la puissance. Ok. Ouais, tu comprends un peu mieux le jeu, Poslo, je pense, à force de nous voir. Hop. C'est quoi ces trucs là? Wouah! Quoi? Ah! Le truc vert, il one shot! Ouah, enfin il m'a tout shot le truc vert! La vache! Faites gaffe hein! Le gros là? Ouais, le gros vert, il m'a tout shot! Quel enfer! C'est quoi cette merde? Oh bah tu vas devoir prendre. C'est tombé, il y avait un perso qui venait de se libérer. Nous disions donc Gork le boucher. Ah bah tiens, je te donne toute ma bouffe du coup, hein. Ah la vache, il m'a tout shot ce machin, mais c'est quoi cette merde? Et bah il faut 111, quelqu'un d'autre a de la nourriture. Ouais. J'ai 87 moi. Okay. Nom de Zeus. C'est qui sur... Il me manque une cinquantaine. Je sais pas pourquoi vous, il vous a pas tout shot, mais moi il m'a tout shot. Bah, peut-être que t'es hyper squishy. T'as trop l'habitude d'être avec moi, je pense, et du coup, il se focus sur moi. Ah la vache! Et lui que je te donne. Hein, voilà. Et du coup, je remets tes objets dans le. Ah ouais, non, mais la vache, quoi! C'est ce qu'on appelle se faire laver. Ah bah ouais. Alors je peux faire quoi avec lui? Défense plus 70 sur soi, bah ça va être utile. Attire toutes les créatures. Annule la compétence rôdeur. Rôdeur c'est quoi déjà? Rôdeur c'est ce qui permet justement de... De pas te faire focus par les. Ah oui d'accord. Puissance plus 4 par créature dans la salle, temporaire maximum 30. Nourriture plus 0,3 par créature tuée. Et j'ai mon truc qui me donne plus de puissance et plus de vitesse. Ok. Par contre je suis plus le plus rapide hein, parce que maintenant j'ai que 23. C'est pas moi non plus, je suis à 18 de vitesse. Oh, je crois que ça va être moi. Je suis à 29. Ah ouais. 25. Putain, le morbiche à 25 de vitesse, allez, qu'est-ce qu'il y a là? Et je suis plus long que lui. Aïe, mais j'ai pris tellement cher.
Ça se laisse regarder. Bah tant mieux. Bon, on continue par là du coup, ça m'inquiète. Évidemment qu'on continue par là. Maintenant il y a des défenses, écoute. Ouais. Et tu rejoins vite tes copains. C'est ça, hein. Bah au plus vite que je peux. Oh non, il y en a un. Au secours. Il est focus sur moi, tout va bien. Non mais ils font trop peur ces trucs, hein. Oh non! Ah, il vient contre toi pour te croquer en fait, d'accord, faut vraiment fuir quoi. Ah mais la saloperie de ce truc! C'est clair. Ah bah ça va rejoindre avec le truc du milieu. Putain quoi! Ça a pas recommencé là, mais tout à l'heure, la violence. Hein. Vraiment, j'ai pris. Il était tout seul, j'ai pris un coup, je suis arrivé à un quart de ma vie, et du coup, les autres créatures m'ont tapé, j'ai pas eu le temps de me soigner. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur la touche. En plus, c'est tout sur ma souris, j'ai même pas eu le temps. Je l'ai fait, mon perso était déjà mort. Eh bien, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Il est pour vous. Quelqu'un peut aller voir la science du coup, peut gérer, j'ai la flemme. Je te donne tout, regarde. Pouf. 138. C'est pas Dieu possible. Bah avec Ken c'était bien, mais avec Gork moins quoi. Et là j'avais fait ça, ouais, c'est marqué Gork est impliqué dans l'histoire, le choc d'héros avec Sarah. Par contre c'est marrant, ça me dit que dans 3 étages je pourrais le déverrouiller. Mais c'est un perso de base en fait. Ah bah oui. Oh bah vas-y ouvre hein, le temps que je remonte tu peux y aller. On fait ça. Oh putain, il y en a un dans cette salle qui est trop lente. Aïe, ah je suis ralenti, je vais crever putain. Je peux pas me soigner, j'ai pas de soin. C'est la remords. Ah bah oui j'avais pas de soin, c'était mort. Ouais, c'est trop tard, merci de m'avoir donné de la bouffe mais c'est trop tard. Je me suis fait ralentir à mort. Ah là, je me suis fait ralentir, mais à fond. Bah, avec eux là. Eux ralentissent à mort, hein. C'est l'enfer. C'est vrai, c'est bien, ouais. Et ben, attendant, je vais regarder le wiki de ces créatures. Parce que je ne les connaissais pas. Parce que je vais ouvrir, hein? Tu peux récupérer son équipement. Ouais, je vais prendre les trucs. Vous pouvez surtout vous démerder, je suis plus là. Voilà. C'est ce que vous voulez. Est-ce que du coup, je vais peut-être récupérer ça. Ouais, alors après, s'ils les mettent pas sur le truc, ça va être compliqué. Ça me fait légèrement baisser mon DPS, mais ça sera mieux quand même. Le truc c'est qu'on sait même pas comment il s'appelle, donc c'est compliqué quoi. Ça c'est au bout, on est arrivé au bout, donc je vais ouvrir au-dessus. Bah du coup, je vais arrêter de donner ma science à Damned. Hein. Ouais. De toute façon, la science que tu me donnes, je la redonne à Halloween, donc en fait... Ah oui, donc au final, oui. La boucle est bouclée quoi. Ouais. C'est l'enfer là, franchement. Je suis en train de regarder hein, vite fait dans les dernières news. Ah, c'était le dernier DLC là qu'ils avaient filé, c'était quoi Death Gumball, je crois. Non ? Aucune idée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le marchand sombre, on l'a même pas vu lui. Ah bah en même temps, je l'ai pas téléchargé comme un con. C'est les ronds d'un attaque. Bah non, donc en fait il me manquait bien. Ouais, déjà il me manque un DLC que j'ai pas activé, mais bon, on s'en fout. J'ai bien craqué de la bouffe aussi. Est-ce qu'on peut. Oui, on peut faire. Il y a un peu eu le panic button. Ah, est-ce que c'était avec le Rescue Team qui avait ces monstres? Je cherche. Non. Ah, un autre truc de science qui est plus proche. Ouais. Bon, bah je ne sais pas, tant pis. Désolé, je vous montrerai pas trop la partie.
4. Et ok, on avance. C'est open en bas, je vais y voir. Je t'ai donné toute ma bouffe, Halloween. Hein. Merci. J'aurais peut-être pu en donner un peu à tout le monde, mais... Je vais faire de mon mieux. Avec. Ok. Je ferai la remarque que depuis que Poslou a dit sur le chat, ça se laisse regarder, je suis mort deux fois quand même. Oui. Ta mort se laisse bien regarder apparemment, voilà. Faut croire. Oula. Fais gaffe Halloween, ouais. Ça va être chaud là. Ok, je remonte. Là y'a un problème là. Le cristal va prendre cher. Là ça pue. Rendez-vous. Il y a vraiment des mécanismes à la con dans certains jeux. Ouais. C'est une grande salle mais tu peux rien mettre dedans, c'est fou. Peut-être falloir vous penser sérieusement à partir, non? On va peut-être juste partir. Ouais, je crois. Vous avez une salle gratuite à droite. Ouais. Oui, bah on va tant qu'à faire. Voilà. Je cherche les deux sons encore en cours. Ouais, malheureusement pour vous. Mais là ça pue très fort. Hein. Voilà, comme ça. Il commence à y avoir du monde. Hein. Comme ça va passer. Ouais, comme ça. Il y a rien là-dedans. Allez. Yeah, c'est run baby run. Putain, merde, c'est vrai qu'il y a une porte ici. Aide. J'ai pas réfléchi. Ah putain, je suis lent comme un cul. Putain, je peux. Oula, ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attention, c'est les serpents. Aïe aïe aïe, la violence. Barrez-vous les gars, barrez-vous! Oui, et bah voilà. Vous avez abandonné les deux autres salles, il y avait des mobs devant, c'est fini. Bon. Ouais, mais de toute façon, ouais. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la faute de Damned, hein? C'est ouais. voilà. Non mais. Cette partie terminée. Les serpents, c'est l'enfer. Il avait dit qu'il voulait faire un niveau de plus, il fallait pas, c'est tout. C'est vrai. Voilà, enfin. Fallait mettre des neurostones partout pour ralentir les serpents. Ouais, je pense que. Bah écoutez, ça nous servira de leçon pour le prochain live. Exactement. Voilà. Bah, si prochain live il y a, et si vous. Voilà. Pour dire que je vous contacterai. Eh hey, les gars, on peut se faire un. Ah non. Bah non, c'est con, je peux pas. Eh non. Je peux plus. Si, on se refera ça. On était pas mal quand même. On était pas mal. C'était bien. Bon, bah écoutez. Je pense que Poslo a raté notre échec. Ouais, mais c'est pas grave, tant mieux. Au moins dans sa tête, on est des winners. Bon, vu qu'on est plus que tous les quatre, je remercie quand même les gens du chat. Mais bon, voilà. Mais je vous remercie surtout vous d'être venus. Merci de nous avoir invités. Mais avec plaisir, mais on se refera ça, je pense, après les fêtes, tranquillement. C'était bien sympathique. Bah merci à vous les gars, bonne soirée et puis bah des bisous, à bientôt. Bisous, bonne soirée. Salut.